Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors nous vous parlerons des vergers ce soir et des plantes médicinales qui poussent autour des vergers, à commencer par les arbres fruitiers eux-mêmes. Alors comme cela figurait dans la Bible, un arbre conserve une espérance, même s'il est coupé, il peut renaître encore. Alors c'est effectivement l'espoir que nous aimerions pouvoir maintenir à travers notre conférence et à travers toutes les actions que vous avez effectuées ici dans le parc, puisque nous voyons bien effectivement, comme l'a signalé monsieur tout à l'heure, que les vergers régressent considérablement. Il faut faire quelque chose pour les sauver, non pas seulement pour les vergers eux-mêmes, mais vous verrez pour d'autres raisons encore. Alors nous avons réalisé 7 ans d'enquête sur la médecine populaire au 19e et 20e siècle sur le massif vosgien, en enquêtant de ferme en ferme sur le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et le département des Vosges, et un peu partout on nous disait que les arbres fruitiers sont tout à fait essentiels à l'écologie, à la vie familiale. Alors commençons par les cerisiers. Alors c'était l'arbre qui était sans doute le plus planté, greffé, utilisé, mangé, utilisé sous forme de cure dans le massif vosgien. Alors on voit d'abord le bois de Sainte-Lucie. Alors on retrouvait systématiquement des noms patoisants en patois vosgien, en patois belge ou en alsacien. Lévi-Exlaine par exemple, c'est un nom en patois vosgien, mais qui était dérivé de l'allemand. Weichselkirche au départ, qui sert beaucoup de porte-greffe. Vous avez ensuite le cerisier à grappe ou bois puant. Alors voilà les différentes variétés de cerisiers qui étaient plantés en altitude et qui résistaient relativement bien en altitude. Bon, à commencer par le cerisier noir, le fameux merisier à kirsch. Alors le kirsch était très réputé, le kirsch vosgien, c'était le principal kirsch utilisé dans les pharmacies de la France entière. On venait dans les Vosges pour le chercher, autrefois au 19e siècle et jusqu'avant-guerre. Vous avez ensuite le prunus malheb dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui servait de porte-greffe. Vous aviez d'autres pruniers comme une variété locale qu'on appelait le merisier Joseph. Et puis, bien sûr, vous aviez le griotier et le cerisier doux qui étaient très fréquents également, avec de multiples hybrides. Le cerisier noir, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on en faisait? D'abord, on servait beaucoup du kirsch ou alcool de cerise, qui était un remède de base. Il contient de différents alcools, dont certains alcools supérieurs qui ont un effet réchauffant, calmant, antiseptique, digestif, antigrippal et antitussif. Bon, alors, il y a beaucoup de propriétés qui sont dérivées tout simplement à l'effet antiseptique de l'alcool. Et puis vous avez également des propriétés antitussives qui sont dues à d'autres dérivés qui sont un peu volatiles, des dérivés cyanogénétiques en particulier. Et c'est un peu la raison pour laquelle on recommandait toujours de secouer une bouteille de façon à laisser s'évaporer les parties volatiles toxiques, mais qui par contre pouvaient avoir un effet médicinal à petite dose. Alors, plusieurs éleveurs des hameaux d'altitude parlaient de l'importance des arbres fruitiers dans l'ancien écosystème. Il y en avait partout, ils étaient essentiels. Alors, on trouvait des cerisiers, des mirabelliers jusqu'à une certaine altitude, des pruniers, des pommiers, des poiriers qui servaient à la fabrication d'eau-de-vie ou consommation directe ou enfin conserve. Autrefois, on séchait encore les poires, ce qui ne se fait pratiquement plus maintenant. On les coupait. Les pommes étaient étalées. Sans forcément les sécher, on pouvait les manger même quand elles étaient bien ridées. On n'hésitait pas autrefois, alors que maintenant les jeunes hésitent à manger des pommes qui sont un petit peu ridées. Elles sont bien entendu une source essentielle de différentes vitamines du groupe C, E et P et de très nombreux oligoéléments que nous détaillerons tout à l'heure. Voici encore le cerisier griotier. Alors, les cures de cerises étaient très fréquentes dans le massif vosgien et entraient en fait dans le cadre d'un ensemble de cures. On pratiquait, comme dans beaucoup de cultures, je pense en particulier aux cultures indiennes, les Indiens d'Amérique ou aux cultures africaines, où systématiquement, au moins deux fois par an, on pratiquait des cures dépuratives de façon à éliminer les vers.
Chez nous, le risque était un petit peu moins important. On faisait donc beaucoup plus des cures pour éliminer les toxines au moins deux ou trois fois par an, en particulier à la sortie de l'hiver, puisqu'on avait mangé forcément beaucoup plus de viande. De la même manière que les ours se traitaient à l'ail des ours, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on utilise toujours encore dans beaucoup de campagnes l'ail des ours pour éliminer les toxines, avoir un effet antiseptique en même temps et diurétique. Ensuite, on passait au pissenlit, qui était considéré comme, et c'est une réalité, en régénérant le foie et les reins. Et puis en été, on passait aux cerises de façon à faire le plein de vitamines et en même temps purifier le sang. Alors purifier le sang, c'est cette expression qu'on utilisait dans les milieux populaires pour dire que d'une part, on voulait avoir un effet diurétique, donc augmenter l'eau, comme on disait dans les campagnes, et en même temps purifier le sang de façon à avoir une peau plus nette. Alors ces cures dépuratives se pratiquaient toujours de façon à éliminer des problèmes de peau dans un premier temps, mais en même temps on agissait en augmentant la vitalité grâce au plein de vitamines. Et puis enfin les raisins en automne qui provoquaient une véritable purge, puisque quand on les prend en excès on obtient une diarrhée, donc on nettoie le gros intestin, ce qui fait que progressivement on arrive à nettoyer comme ça tous les grands organes liés à soit à la digestion, soit à l'élimination, les reins, le foie, la vessie, etc. Alors on pratiquait aussi, soit dit en passant, une cure dépurative en cas de maladie, très fréquemment, lorsqu'on souffrait d'une bronchite, la première chose que l'on faisait, c'est qu'on mettait le foie au repos, et donc on pratiquait une sorte de petite purge avec des plantes telles que le pissenlit, mais bien d'autres encore. Alors les queues de cerises proviennent traditionnellement du cerisier griotier, qui servent aussi à faire le fameux sirop de cerise, qui était toujours employé en pharmacie, qu'il est encore un petit peu pour certains sirops, puisqu'il est acidulé, il est rafraîchissant. Et on s'en sert aussi pour les pédoncules, les fameuses queues de cerise, qui sont réellement diurétiques. Rien de plus facile que de récolter des queues de cerise pour avoir cet effet diurétique, qui n'est pas toujours suffisant suivant ce que l'on veut obtenir. Hein. Si l'on veut éliminer des gros œdèmes, il faut céder d'autres plantes, telles que le bouleau, par exemple, telles que la bourrache, telles que la prêle, mais c'est déjà un premier pas. Alors, les vrais griotiers vosgiens étaient en général greffés. Alors ces greffes étaient courantes, donc on greffait sur un cerisier de deux montagnes, sauvage de préférence, donc, dont on était sûr qu'il résisterait aux hivers rudes, hein, avec parfois 3 ou 4 mois de neige à 700-800 mètres d'altitude. Un autre cerisier portant de beaux fruits, on était sûr qu'il résisterait dans ce cas-là. Et souvent on nous disait en populaire qu'ils étaient greffés et transplantés par groupe pour ne pas les laisser seuls, pour qu'ils soient heureux et vigoureux et que les abeilles viennent les butiner. Alors, ce sont des expressions flamboyantes qui sont tout à fait extraordinaires, qui montrent un peu cette joie de vivre que l'on avait autrefois et l'importance que l'on accordait, encore une fois, à ces arbres fruitiers. Alors, quelles sont les propriétés que l'on connaît aujourd'hui des cerises? D'abord, c'est un aliment alcalinisant. Alors, c'est un petit peu surprenant parce que beaucoup de fruits renferment des acides de fruits. Mais ces acides de fruits, de la même manière que le citron ou l'orange, bien qu'étant acides, ont un effet alcalinisant et qui est souvent recherché dans l'organisme parce que c'est une question d'équilibre acide-base. Lorsque le terrain devient trop acide, parce que l'on se nourrit énormément de nourriture carnée par exemple, lorsque l'on est stressé ou qu'on souffre d'autres maladies métaboliques, il y a une aggravation qui est produite par cet état acide. Il suffit de mesurer le pH urinaire, on voit que l'urine est acide. Et à partir du moment où on se nourrit avec des aliments alcalinisants, certains qui peuvent provenir de dérivés laitiers, le yogourt par exemple, bien qu'étant acide, est aussi un aliment alcalinisant, on a un effet inverse, donc bénéfique pour la santé. C'est le cas pour beaucoup de fruits. Alors ils ont aussi des propriétés digestives, donc favorisent la digestion, légèrement laxatifs, comme beaucoup de fruits d'ailleurs, d'acide de fruits et régulatrice hépatique. Et puis enfin, ils favorisent la désintoxication de l'organisme. C'est ce qui fait qu'il était utilisé autrefois dans les régimes amaigrissants. Faisait partie des premières préparations amaigrissantes. Alors il a donc une action diurétique dépurative, présente également des vertus antirhumatismales et puis augmente même les défenses naturelles biologiques. Alors un petit mot sur l'effet antioxydant, beaucoup de petits fruits, mais c'est le cas aussi pour les grands, mais plus encore pour les petits fruits tels que la groseille, les maquereaux, les mûres, etc. font partie d'un groupe d'aliments contenant le plus d'antioxydants.
Alors, les antioxydants permettent tout simplement d'éviter le vieillissement cellulaire. Donc, à très long terme, ils ont une action préventive contre les cancers. Bien sûr, pas seul, et c'est la raison pour laquelle on recommande très largement, il y a d'ailleurs des publicités faites par la Caisse nationale d'assurance maladie qui recommande de manger 5 fruits et 5 légumes par jour pour cette raison, parce qu'on a constaté, c'est largement prouvé, un effet antioxydant qui est dû entre autres aux colorants que l'on retrouve dans les fruits, donc les flavonoïdes, les anthocyanes qui donnent ces couleurs rouges, ces couleurs bleues de nombre de fruits. Alors, autre exemple de plante médicinale qui peut pousser dans les vergers, il ne s'agit pas à proprement parler d'un arbre fruitier, bien qu'autrefois on consommait aussi les jus d'aubépine et on utilisait des tisanes de feuilles d'aubépine ou de sommité fleurie. Alors, pour l'aubépine, un jour où j'enquêtais, on me disait que dans une famille du banc de la Roche, on faisait un mélange de fleurs de pissenlit, de fleurs de primevère et de fleurs d'aubépine pour le mal de cœur. Alors j'ai interrogé l'agricultrice pour savoir ce qu'elle entendait par le mal de cœur, parce que ça pouvait être un problème purement psychologique, ça pouvait être un chagrin d'amour, ça pouvait être une douleur effectivement au niveau du cœur. Et sa description revenait à une angine de poitrine, donc une maladie quand même qu'aujourd'hui on traite avec des médicaments tirés de la chimie. Et ça m'avait un petit peu surpris, je savais bien que le pissenlit avait une activité dépurative, diurétique, que la primevère a une action sur les bronches en particulier, peut intervenir quand on a tendance à faire un œdème du poumon, ce qui peut arriver, parce qu'il y a une aggravation de l'angine de poitrine. Mais alors l'aubépine, on nous disait autrefois, oui, bon, c'est un calmant cardiaque qu'on utilise en cas de palpitation, en cas de tachycardie. Mais est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser dans ce cas-là? Alors, il y a 30 ans, on aurait dit non, pas du tout. Il se trouve qu'il y a 20 ans, des équipes américaines ont montré que l'aubépine améliore la circulation coronarienne, permet même de former des sortes de vaisseaux parallèles aux coronaires et améliore la nutrition, l'oxygénation du myocarde, donc du cœur, et agit enfin sur les troubles du rythme. Donc c'est tout à fait à conseiller, pas seul bien sûr, dans des cas d'angine de poitrine, et beaucoup ont compris la leçon. Alors on a constaté que les préparations les plus efficaces sont faites à partir de jeunes pousses, donc des macérats glycérinés par exemple, à partir des infusions, différentes préparations des sommités fleuries, donc fleurs et feuilles, et même les fruits ont une action très proche. Alors les fruits de verger, alors là aussi il y a une phrase d'Ézéchiel qui dit que le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, donc un rappel de la Genèse, dont le feuillage restera toujours vert et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Et la phrase clé, c'est la suivante: leurs fruits seront bons à manger, côté alimentaire, et leurs feuilles serviront de remède. On retrouve la pharmacie du bon Dieu. Et effectivement, pour nombre d'arbres fruitiers, les fruits sont effectivement bons à manger, et les feuilles sont réellement médicinales. Alors, premier exemple, le cassis. Alors, le cassis est connu comme source de vitamine C pour son fruit, comme remontant. Les fruits sont effectivement consommés sous forme de sirop pour cette raison. Alors, il y a de nombreuses formules hein, de jus de sirop, pétillant ou non pétillant, fermenté ou non. En voici une qui vient d'Orbais. Alors, les fruits du cassis à peine mûrs sont utilisés aussi comme un laxatif léger, donc première propriété médicinale. Et l'infusion de feuilles de cassis est prise en cas de diarrhée, parfois complétée avec les baies pour le rhume, la gorge ou les bronches. Contre les rhumatismes, on utilisait surtout les feuilles comme diurétique également. Alors il se trouve qu'on a montré que les feuilles ont une activité anti-rhumatismale parce que anti-inflammatoire. Donc excellent complément de plantes telles que le bouleau, telles que la fameuse griffe du diable qui vient d'Afrique, la prêle et bien d'autres. Activité anti-inflammatoire et en même temps diurétique pour les feuilles. Alors c'est donc, comme dit, la feuille séchée qui est utilisée pour ses propriétés diurétiques digestives pour améliorer la circulation ou en cas de douleur anti-rhumatismale, puisqu'étant anti-inflammatoire, elle diminue la douleur. En infusion, on peut utiliser 5 g de feuilles séchées pour 1 litre d'eau bouillante ou sous forme plus moderne, en gélule, à raison d'une gélule 3 fois par jour. Quelle était la transmission de ces connaissances, comment se faisait-elle et quelles étaient les traditions? Alors ceci, de manière générale, elle était bien sûr surtout féminine, parce que les femmes dans le foyer
d'abord avait à charge de soigner les enfants. Elle discutait beaucoup entre elles également des problèmes typiquement féminins, problèmes de ménopause, d'accouchement, de naissance, d'allaitement, d'avortement éventuellement, et tout cela à travers les veillées qui ont bien sûr disparu au profit de la télévision. Alors on en a retrouvé énormément de traces au cours de nos enquêtes, puisque lorsque nous discutions il y a encore 10 ans avec une personne qui avait 70 ans, si elle avait la chance d'avoir connu ses grands-parents, elle pouvait nous raconter nombre d'anecdotes datant de la guerre de 14, donc qui avaient été transmises oralement. Dans le meilleur des cas, nous avons trouvé des cahiers de famille tout à fait intéressants, qui étaient souvent d'ailleurs des mélanges de cahiers de recettes de cuisine et de recettes de remèdes qui datent d'avant la guerre de 14 encore, 1870 à 1900 en gros. Alors j'ai mis Carolus Magnus aussi, c'est le fameux Charlemagne, l'inventeur de l'école, parce qu'il a joué un rôle clé dans le développement des arbres fruitiers dans toute l'Europe, puisque dirigeant le grand empire carolingien, à cheval sur la France, l'Allemagne et l'Italie, il avait édicté une ordonnance carolingienne qu'on appelle un capitulaire, le capitulaire d'Evilis, qu'on a daté entre 800 et 812, où il imposait aux jardins impériaux la culture d'à peu près 90 plantes, dont une bonne trentaine d'arbres fruitiers, déjà à l'époque. Alors les jardins impériaux n'ont pas suivi à la lettre ces recommandations, et ceux qui l'ont vraiment appliqué pendant près d'un millénaire, c'était les abbayes, les monastères à travers toute l'Europe, qui ont joué ce rôle de transmission, de plantation, de semis, ce qui fait que ça continue à se transmettre à travers les curés de paroisse, les pasteurs. Vous avez une certaine influence de la médecine savante également, nombreuses traces de médecine humorale avec, à travers la description des quatre éléments. On disait que tel arbre est plutôt chaud et humide ou plutôt froid et sec, etc. Ce qui a été simplifié ensuite, on parlait plutôt de maladies froides et chaudes, ce que nous avons encore largement retrouvé dans les campagnes, et puis d'astromédecine, puisque la plupart des ouvrages de nos ancêtres, les apothicaires, au 15e, 16e siècle, décrivaient les plantes avec des termes purement astrologiques. Les Kräuterbücher, publiés à Strasbourg essentiellement, qui ont fait de longues descriptions de toutes sortes de plantes médicinales, la sorcellerie, donc la forme vosgienne de la sorcellerie, et les guérisseurs. Alors, autre exemple, le noyer, bien fréquent encore dans nos vergers, bien qu'il tende lui aussi à disparaître progressivement. Alors, d'origine persane, donc un petit peu lointaine, cet arbre a été acclimaté d'abord en Grèce, puis ensuite en Italie, et enfin chez nous en Gaule. Ce sont donc les Gallo-Romains qui ont répandu les premières races d'élite, et Charlemagne, comme dit, a ordonné de planter systématiquement des noyers dans ces domaines. Hildegard de Bingen, au XIIe, XIIIe siècle, comme Albert le Grand, recommandait les noix contre les intoxications. Bon, ça n'a pas vraiment été prouvé. Par contre, contre les abcès du foie et les maladies de peau. Alors, contre les maladies de peau, effectivement, il y a une action tout à fait certaine. Alors, Mathiol a indiqué aussi l'utilisation de cerneaux pour l'estomac et de chatons macérés dans du vin contre les spasmes du terrain. Alors, quels sont les usages populaires? On parlait d'utilisation antispasmodique. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'on utilise toujours des feuilles de noyer sous forme d'apéritif, ou alors les fameuses noix fraîches, la préparation apéritive bien connue en Alsace. Donc on peut préparer du vin par macération de feuilles fraîches, ou comme on le verra plus tout à l'heure, à partir de noix cueillies au moment de la Saint-Jean, pour des propriétés dans les deux cas, toniques, stomachiques, antidiabétiques, antiseptiques. On a même constaté que les infusions de feuilles de noyer peuvent avoir un effet de sélection régénérant sur la flore intestinale, quand la flore intestinale est un petit peu défaite. Alors dans le vignoble, l'eau de vie est très connue, enfin, eau de Sauvosser en alsacien, qui était un petit peu l'égal des grands élixirs universels, aux côtés des liqueurs d'arquebuse, aux côtés de l'élixir du suédois. Alors quels étaient les usages cités dans la bibliographie scientifique? Alors il est tonique, dépuratif, gastro-intestinal, donc agit effectivement sur les intestins, parce qu'il est riche en tanins, qui ont un effet astringent, antibactérien, et puis en même temps par des essences. Ce qui fait que quand on fait une infusion de feuilles, vous avez une certaine odeur qui provient de ces essences. La plante a la réputation d'être antidiabétique, ce qui a été attesté aussi par de petites études cliniques. Pas de grande envergure, mais il y a quelque chose qui va dans ce sens. Alors, chose curieuse aussi, on disait souvent autrefois qu'il n'est pas bon de rester sous un noyer. Alors, c'est tout simplement parce que le noyer émet de la juglone, une substance
qui a des effets sédatifs, ce qui fait qu'on a tendance à s'endormir sous le noyer. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut l'être pour les plantes qui poussent dessous, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de plantes qui réussissent à pousser sous le noyer à cause de ce même effet antibactérien de la juglone. Alors, comment utiliser le noyer ? Alors, d'une part, en usage interne sous forme d'infusion de 10 grammes pour 1 litre de feuilles séchées, laissez infuser relativement longtemps, pendant un quart d'heure environ, de façon à ce que les tanins aient le temps de diffuser dans l'eau, en cas de diarrhée ou en cas de déséquilibre de la flore intestinale. Alors, les préparations trop concentrées sont irritantes à cause de la présence trop importante de juglone. On peut noter aussi l'utilisation fréquente, autrefois dans l'alimentation, de 3 huiles, dont on connaît aujourd'hui la richesse en oméga 3. On parle beaucoup de l'importance de ces huiles, riches en oméga 9 telles que l'huile d'olive, riches en oméga 6 telles que le tournesol, le cartame, etc., et en oméga 3 telles que les huiles de noix, de lin et de chanvre, mais qu'il faut utiliser frais parce qu'elles rancissent facilement, elles peuvent donc développer des dérivés toxiques. Donc une fois de plus, les anciens avaient bien raison de préconiser ces huiles-là. Elles sont anti-inflammatoires, fluidifiantes du sang et même antidépressives. Alors le noisetier, lui aussi, très utilisé. Alors quels sont ses usages populaires ? Alors d'une part, les jeunes feuilles de noisetier en infusion peuvent être utilisées comme le marron d'Inde, comme la mamélis, comme la vigne rouge, dans les affections veineuses. On n'y pense plus, c'est une plante qui est tellement facilement à notre portée qu'on préfère penser à d'autres plantes qui viennent de... qui viennent d'ailleurs, mais elle est efficace en cas de jambes lourdes, d'hémorroïdes, à condition de faire une infusion suffisamment longue comme pour le noyer. Alors effectivement, on a constaté que la plante est anti-inflammatoire, anti-œdémateuse, vénotonique et anti-hémorragique, exactement comme la mamélis ou comme le marron d'Inde. D'ailleurs, la moderne gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons, fait référence à ces mêmes usages, donc les bourgeons de noisetier, dans les cas de problèmes circulatoires, jambes lourdes. Alors quand récolter, quand les jeunes feuilles apparaissent au printemps, donc les jeunes feuilles après floraison. Alors on peut l'utiliser en cas de varices, d'autres troubles veineux, de métrorragie ménopausique également, là c'est pour l'effet anti-hémorragique, ou en cas d'ulcère variqueux, à côté d'autres médicaments en principe, bien entendu. Alors autre exemple, les myrtilles, alors ça c'est pas vraiment un fruit de verger de plaine, mais ça vous montre que c'est un petit fruit qui est extrêmement complet, qui a de très nombreuses propriétés qu'on peut retrouver partiellement dans des fruits tels que la mûre, dont ma femme vous parlera tout à l'heure. Alors au XVIe siècle, elle était surtout utilisée contre la diarrhée et la dysenterie. Alors chose curieuse, quand on utilise les fruits frais de myrtille, de par les acides de fruits, vous avez un effet laxatif. Si vous utilisez les fruits secs, vous avez au contraire un effet antidiarrhéique. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous séchez le fruit, les acides de fruits disparaissent et ce sont les tanins qui prédominent, qui ont une action antidiarrhéique. Si par contre vous les utilisez frais, vous régularisez le transit intestinal. Alors vous avez de nombreux noms patois ou alsaciens ou allemands. Alors on nous disait aussi, quand les myrtilles sont mûres, les médecins peuvent partir en vacances, tant les propriétés des myrtilles sont importantes. Alors les fruits mûrs et frais sont légèrement laxatifs, les brimbelles crues, nous disait-on, c'est bon pour la constipation et la diarrhée. Cette phrase courante qui résume bien l'action régulatrice, donc dans les deux sens des baies de myrtilles fraîches, sur les fonctions digestives, tandis que les fruits séchés sont utilisés dans les cas de troubles circulatoires. Ça fait arrêter la diarrhée, ça resserre les selles, nous disait-on. Alors, quels sont les usages qui sont cités par la science aujourd'hui ? Alors, par leur richesse en tanins, sont astringents antidiarrhéiques, effectivement, antidiabétiques, encore une fois, comme le noyer. Ce qui correspond, alors on nous disait au départ, oui, bon, ça a une action surtout par le biais de la circulation, mais en fait, on a prouvé que ce n'est pas seulement sur la circulation, par exemple, les diabétiques qui ont des problèmes de rétine, mais ça a une action beaucoup plus profonde sur le diabète, parce que la feuille est riche en chrome, et puis parce qu'elle agit sur le fond du diabète, pas seulement sur les problèmes circulatoires. Alors, quant aux fruits, ils ont été bien étudiés par les Allemands et par les aviateurs britanniques. C'était d'ailleurs un secret bien gardé les deux premières années de la guerre, ce que les aviateurs consommaient pour bien voir pendant la nuit des fruits de myrtille. Et c'était un secret militaire qui n'a pas duré très longtemps. Donc les pilotes de Stuka d'abord, puis ce fut le secret des Anglais. Alors effectivement, les fruits ont une action positive au niveau des yeux et une action anti-inflammatoire, antimicrobienne et anti-ulcère gastrique.
Alors, les baies sont également considérées comme toniques, d'où leur action sur l'esprit, disait-on autrefois. Alors, mode d'emploi pour les feuilles, tout à fait classique, hein, une cuillère à soupe de feuilles en infusion dans 250 ml d'eau, infusée pendant 10 à 15 minutes, ou alors en gélules, 3 à 6 gélules par jour. Alors, les baies séchées, alors en cas de diarrhée, soit croquer des baies, soit avaler des gélules, ou encore faire une infusion de baies séchées et avaler les baies avec la tisane. Alors, il y a une précaution d'emploi, c'est que comme les rêles, comme tout autre fruit susceptible de recueillir l'urine du renard, il faut se méfier de la fameuse échinococcose. Mais c'est le cas pour n'importe quel fruit, même des framboisiers poussant bas sur l'arbuste. Alors, je vais laisser la parole à ma femme qui poursuivra cette causerie. Voilà, donc on va passer au framboisier. Alors, c'est vrai que le framboisier, tout le monde connaît, je pense que tout le monde aime ce fruit. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de finalement très, très banal. On peut dire que le framboisier, mais il y aura, vous verrez en fin de commentaire sur le framboisier, néanmoins, des précautions d'emploi. Et c'est là où on voit qu'en fait, la nature qui nous entoure est très très riche. Et nous, à la faculté, il y avait un professeur qui nous disait une chose que je trouvais toujours passionnante. Il disait qu'en fait, il y a quelquefois une différence très mince entre la notion de boisson, de potion et de poison. Hein ? C'est vrai que tout est une question de dose. Et c'est vrai que quelquefois, même des choses qui peuvent paraître toutes simples, comme le framboisier par exemple, eh bien, a des vertus très importantes et peut quelquefois amener à certaines précautions d'emploi, comme dit, on va en parler. La récolte des fruits sauvages remonte à très très longtemps, hein, si on en a eu des preuves, et la culture, elle, remonte au Moyen-Âge. Donc au départ, c'était les fruits qui étaient utilisés, et vous voyez, c'était sous forme de limonade, de sucre, de marmelade, etc. Et c'était utilisé contre les fièvres aussi, contre la faiblesse du cœur et la faiblesse en général, donc en tant que tonique. Voilà un peu de linguistique, comment on nomme le framboisier en français, en patois welsh et en allemand. Alors les usages populaires, c'est-à-dire que sous usage populaire, nous avons mis tout ce que les personnes nous ont dit de ces plantes. Donc vous voyez que c'est dans le cas des règles douloureuses pour les jeunes filles ou les femmes plus âgées, diurétiques et digestives, en cas de maux de gorge, rentrant dans la composition de tisane de santé. Alors je vais m'arrêter un petit peu à cette notion de tisane de santé parce que je trouve que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. La tisane de santé était en fait une autre tisane tous les jours. Et là, c'était la femme qui la préparait en fonction de ce qu'il y avait comme besoin pour les différents membres de la famille. Alors c'est vrai qu'autrefois, il y avait souvent plusieurs générations sous un même toit, souvent trois voire quatre générations sous un même toit. Et c'est pour ça que pour la tradition qui était surtout féminine, transmission verbale mais aussi visuelle puisque la petite fille avait vu faire sa mère et sa grand-mère, eh bien ces tisanes de santé étaient en fait un petit peu le feuilleton de la famille. Et c'est vrai que la femme qui faisait cette tisane de santé, eh bien adaptait la composition, soit si personne n'avait spécialement de soucis, à ce qui poussait au moment où elle allait la préparer. Ou alors en hiver, puisqu'elle avait aussi séché des plantes, eh bien elle allait chercher, là vous avez dans l'exposition en bas, de magnifiques bocaux avec des fruits en conserve, eh bien il y avait aussi une armoire où la femme avait ses plantes séchées, qu'elle séchait au fur et à mesure de la saison où ses plantes se présentaient, pour avoir un petit peu, ben, je dirais presque sa pharmacie à la maison. Hein. Et c'est donc dans cette pharmacie-là qu'elle puisait pour faire cette tisane de santé. Alors aujourd'hui, dans notre monde plus moderne, souvent on prend une tisane quand on est malade. Eh bien non, là, il faisait du préventif et cette tisane de santé faisait vraiment partie du quotidien. Alors une petite parenthèse aussi, quand Christian ou moi a lui enquêté auprès des personnes, moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que nous étions toujours reçus autour d'une table. Alors c'était soit la table de la cuisine ou la table de la salle à manger. Hein, je crois que ça montre aussi l'importance, en fond, de ce qui se passe autour d'une table. Alors, Christian avait droit aux schnapps, hein, aux différentes eaux de vie. Puis moi, j'avais plus de chance, j'avais les tartes. Hein, donc, les fruits du verger étaient très présents là aussi. Donc, la tisane de santé, comme dit, faisait vraiment partie du quotidien de ces personnes. Et puis,
après l'eau de vie de kirsch, eh bien, c'était l'eau de vie de framboise qui venait en deuxième position au niveau de la fréquence. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Effectivement, c'est que ce framboisier est efficace par les tanins, hein, tanins des feuilles, propriétés astringentes, donc ils vont resserrer, hein, donc antidiarrhéiques. Usage, vous voyez les quantités à utiliser, mais vous voyez cette plante toute simple, toute commune, à ce que je vous annonçais tout à l'heure, des précautions d'emploi. Parce qu'effectivement, c'est une plante qui va être fortifiante au niveau des feuilles, mais très fortifiante aussi sur les muscles lisses. Ce qui fait que, comme je l'ai noté là, on va éviter son emploi en tout début de grossesse pour éviter qu'il y ait des contractions, qu'il y ait une fausse couche. Hein ? Vous voyez, donc quelque chose d'aussi simple que le framboisier. Alors c'est aussi un excellent antioxydant. Hein, donc là, vous voyez les différentes compositions. Christian en a parlé tout à l'heure, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. Donc les maladies cardiovasculaires aussi, et tout ce qui est lié au vieillissement, va être aidé par cette plante. Hein. Et en plus, elle va inhiber l'oxydation du cholestérol, le mauvais cholestérol, dans le sang. Cette plante contient également du manganèse, du fer aussi. Donc là aussi, vous voyez que c'est quand même une plante qui est très féminine. Hein. Vous aviez vu qu'il l'utilisait autrefois pour les troubles chez la jeune fille et chez la femme plus âgée. Et vous voyez aussi que souvent les femmes manquent de fer. Et bien là aussi, on a un apport intéressant de fer grâce aux framboises. Également du cuivre et de la vitamine C. Vitamine C donc aussi antioxydante. Et là également, c'était des fruits qui pouvaient être mis en conserve sous forme de confiture, sous forme de marmelade, etc. Et donc vous aviez aussi tout cet apport-là pendant les saisons où il n'y avait pas vraiment de fruits toujours à disposition dans le jardin. Suivante. On va passer à la mûre maintenant. Alors là aussi, les baies sont les premiers aliments à être consommés par nos ancêtres dès la préhistoire. Donc ça ne date pas d'hier. Dioscorides et Pline, par exemple, aussi attestaient les propriétés médicinales astringentes de la plante. Et également connu comme fortifiant par Hildegard de Bingen. Alors la mûre était utilisée en tant que fruit, mais aussi la feuille de ronce. Alors une formule, entre guillemets, qu'on nous a donnée, c'est prendre 20 feuilles de ronce, une feuille de houx, une feuille de lierre, et tout ceci en tisane. Alors effectivement, la ronce est astringente, donc a une activité antibactérienne dans tout ce qui est buccopharyngé. Le lierre, quant à lui, est antispasmodique et antibactérien, donc effectivement très utile dans les cas de toux. Alors vous voyez qu'avant on avait 20 feuilles de ronce, là on a une feuille de lierre seulement. Effectivement, c'était très prudent puisque c'est une plante qui peut être toxique. Et enfin, une feuille de houx, là également qui va être fébrifuge, donc contre la température, contre la fièvre, également antispasmodique. Donc vous voyez que là, effectivement, étant donné que c'est une plante qui est aussi toxique par ses fruits, eh bien juste une feuille va être suffisante puisqu'il contient des saponosides, il ne faudrait pas en prendre de trop. Donc vous voyez qu'ils avaient cette notion en fait de dose. 20 feuilles de ronce, pas de souci, parce que ce n'est pas quelque chose de toxique. Par contre, lierre et houx, qui peuvent présenter une certaine toxicité, eh bien on va en prendre moins. Pour la mûre, l'autre nom, c'est la ronce. Donc utilisée, c'est ce que les personnes nous disaient, dans les affections grippales et la toux. Pour la digestion, en cas de difficulté urinaire également, et contre les maux de gorge. Les fruits sont toniques, effet antioxydant à nouveau, donc contre tout ce qui est vieillissement, et les feuilles sont antidiarrhétiques, hémostatiques et diurétiques. Donc effectivement, dans tout ce qui est problèmes digestifs gastro-intestinal, dermatologiques et buccopharyngés. Maintenant, on va passer aux pommes. Alors les pommes, bien sûr, c'est tout un monde. Hein, les pommes, vous avez de superbes exemplaires à l'étage en dessous. Alors le mot « malus » vient justement du fait que ça représentait un peu le mal. Hein, ça remonte à l'origine biblique, je dirais. Eh bien, il y a bien sûr de nombreuses variétés de pommes. Mais ce qu'il y a de vraiment regrettable, c'est que le nombre de ces variétés tend à diminuer. Et ça, c'est vraiment une grande perte. Ça, je crois que vraiment, il serait important d'essayer d'en sauvegarder le plus possible. Hein, je ne sais pas si on peut lancer un appel, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait riche au niveau de ces variétés. Et je crois que vraiment, ça, il faut le faire connaître. Parce que je crois que dans les plus jeunes générations, pour eux, il y a peut-être 3-4 sortes de pommes.
Mais pas plus, alors qu'il y en a vraiment de grandes, grandes quantités. Je pense que vous le savez, vous êtes là, donc vous le savez. Mais c'est vraiment, vraiment à diffuser de plus en plus, je crois, parce qu'il y a un manque de conscience de ces choses-là. Alors, comment peuvent-elles être préparées? Là, je vous ai mis quelques exemples, donc en tarte, en fruits séchés, en compote, en conserve, en fruits crus, en salade de fruits, pour faire gélifier les confitures, en jus, j'ai envie de dire, etc. Là, je crois que vraiment, c'est quelque chose de très, très étendu. Et c'est vrai qu'autrefois, eh bien, les personnes utilisaient ces pommes parce qu'elles pouvaient se garder longtemps. Et n'hésitez pas à en prendre qui n'étaient peut-être pas toutes brillantes et toutes parfaites comme on peut espérer de les trouver quelquefois dans certains magasins. Mais vous verrez qu'il y a quand même des propriétés très importantes au niveau des pommes que je vais appeler aujourd'hui bio, mais qu'autrefois on n'appelait pas comme ça. Parce qu'on n'avait pas besoin de dire qu'elles étaient bio, elles l'étaient et elles n'avaient pas besoin d'en porter le nom. Alors quelles sont les propriétés? Bien, effectivement, les pommes sont de bonnes sources d'antioxydants. Mais regardez bien, c'est quand la pomme est mangée avec la pelure. Et effectivement, le pouvoir antioxydant de la pelure est 2 à 6 fois supérieur à celle de la chair seule. Or, aujourd'hui, si vous achetez une pomme, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il y aura eu X, et le X, c'est grand, comme nombre, X traitements avant qu'elle n'arrive sur l'étalage de l'endroit où vous allez l'acheter. Donc, c'est vrai que c'est prudent à ce moment-là d'enlever la pulpe, la pelure. Mais en enlevant la pelure, vous enlevez en fin de compte tout ce qui, justement, était ce qu'on pouvait rechercher dans la pomme, c'est-à-dire justement toutes ces vitamines, toutes ces forces, je dirais, eh bien, vous les enlevez avec la pelure. Et ça, c'est dommage. Donc, ça, ce ne sont que les pommes que vous allez avoir, je dirais, du verger directement sans traitement, c'est ces pommes-là que vous pourrez manger comme ça. Ce sont ces pommes-là qui vont vous apporter les vitamines, les oligo-éléments, etc., que vous pouvez en attendre. Donc, si vous voulez, c'est pas juste, ah, bah, tiens, ils sont verts, ils aiment la nature, et puis donc ils disent qu'il faut les verger. Non, c'est vraiment, c'est du raisonnable, je dirais, que de prendre ces fruits qualitativement corrects. Bien sûr, aussi un bon apport de fibres alimentaires qui interviendrait aussi dans la diminution du mauvais cholestérol. Aussi de la vitamine C, du manganèse, de la vitamine K. Vous voyez, la vitamine K, c'est quand même pas rien, qui va intervenir au niveau de la coagulation du sang et pour la formation des os. La formation des os, moi j'ai envie de dire que aujourd'hui on parle beaucoup d'ostéoporose. Je pense que finalement, quelqu'un qui prend des pommes qui qualitativement ont tous ces éléments-là, bon, tout seul, ça ne suffira peut-être pas, mais ce sont des éléments quand même qui parlent en faveur de l'utilisation de fruits de qualité. Quelques précautions, mais elles sont mineures, vous verrez, c'est que le fructose et le sorbitol contenus dans les pommes, qui sont deux sucres donc, qui peuvent occasionner quelques petits troubles gastro-intestinaux chez des personnes sensibles, à savoir des ballonnements, des flatulences et de la diarrhée. Mais ça, souvent, la personne qui le sait, ma foi, elle modérera un petit peu la quantité qu'elle mangera, et puis c'est tout. Et il existe aussi des allergies croisées avec le boulot. Donc ça, c'est vrai que souvent, la personne qui est allergique au boulot peut l'être aux pommes. Eh bien, les pommes se conservent au frais, jamais à température ambiante, parce qu'elles continuent de mûrir et perdent leur saveur. Et elles peuvent être déshydratées, donc pour ça, on peut enlever le cœur, les peler, puis couper en rondelles, arroser de jus de citron, ça c'est pour qu'elles gardent leur couleur, et mettre dans un four réglé à très basse température pendant 6 à 8 heures, ou bien sous forme de jus en bouteille par exemple. Et ça, c'est vrai qu'autrefois, les personnes nous disaient qu'ils gardaient toujours des pommes dans leur cave, bien au frais, et que là, ils en avaient pendant une bonne partie de l'hiver. Alors là, je vous ai mis « ne vous fiez pas aux apparences », effectivement, parce que ce n'est pas forcément parce qu'elles sont toutes belles qu'elles sont bonnes. Donc les anciens savaient que les pommes étaient bonnes pour leur santé, donc les règles de bon sens qui privilégiaient la qualité plutôt que le look ne s'arrêtaient pas à une forme irrégulière ou à quelques taches ou quelques rides sur la pelure de la pomme. Avec les malus, ils avaient un bonus. Les mirabelles. Alors voilà, en latin, « mirabelle » signifie « belle à voir ». Tout un programme. Avec 10 000 hectares de vergers, la Lorraine produit chaque année 40 000 tonnes de mirabelles. C'est quand même impressionnant quand on pense à la taille du fruit. Voilà, alors la mirabelle de Nancy mûrit de mi-août à début septembre.
Et c'est la partie qui est vers le soleil qui est un petit peu rougeoyante. Alors les utilisations, donc crues, en tarte, en confiture, en gelée, en conserve, chauffées sur une glace, c'est très bon aussi, ou en eau de vie ou en liqueur. Pour 100 g de mirabelle, vous voyez qu'ils contiennent bien sûr de l'eau, mais aussi du calcium, du fer, de la vitamine C et de la vitamine A. Diapo suivante. Riche en sucre, effectivement, là, il faudra faire attention pour les personnes qui sont diabétiques. Les poires. Alors là aussi, il y a de nombreuses variétés de poires. Originaires de Chine au départ, voilà, elles sont sélectionnées là aussi depuis la plus haute antiquité. Alors la composition. Les poires sont riches en fibres alimentaires, en antioxydants, en cuivre, en vitamine C, en vitamine K aussi. Elle contient aussi du sorbitol et du fructose qui peuvent occasionner les petits désagréments dont on parlait tout à l'heure. Alors, entre la poire et le fromage, alors ça, j'avais trouvé aussi cette anecdote, je dirais, c'est pourquoi ne pas renouer avec cette vieille habitude qui, du XIVe au XVIe siècle, consistait à ménager un intermède durant le repas pour rafraîchir le palais avant que l'on ne serve le fromage. C'est d'où vient cette phrase entre la poire et le fromage. Alors c'est vrai aussi, je crois qu'aujourd'hui, on mange tous très vite. Hein, on avale. Hein. Et là, c'est vrai que le fait de faire cette petite pause permettait aussi à la digestion de se faire de manière plus harmonieuse. Alors l'utilisation, effectivement le fruit cru, les poires peuvent être séchées également, en conserve, en salade de fruits, en tarte, confiture, gelée, jus, en eau de vie, liqueur. Le jus, ben, je l'ai mis deux fois. Voilà. Les pêches. Alors là aussi, plusieurs variétés de pêches. Alors, quand consommer le fruit? Alors, ce sont des fruits qui sont délicats, ça vous le savez. Hein, effectivement, il faut les cueillir avec délicatesse. Hein. Donc, ils sont cueillis mûrs, mais encore fermes, et gagnent à mûrir encore quelques jours avant d'être consommés. Là aussi, il est préférable de ne pas les peler, parce que la vitamine C se trouve surtout là aussi, dans la pelure. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dans la pelure qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant aussi. Donc là, bien sûr, essayons aussi d'avoir des fruits de qualité qu'on peut ne pas peler. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui se promènent avec leur bouteille d'eau. Hein. Alors c'est vrai, c'est important, il faut boire, c'est une très très bonne chose. Mais en fait, autrefois, les personnes prenaient beaucoup de fruits. Et par là aussi, ils avaient ce côté rafraîchissant qu'on pouvait avoir par la poire, par la pomme, là par la pêche également. Hein. Donc comment peut-on les consommer? Là également cru, séchés au four, pourquoi pas, en salade de fruits, en conserve, en gâteau, en confiture, gelée, compote. Alors c'est vrai que les compotes aussi étaient très souvent au menu. Vous savez, la compote de pommes, on peut la mettre en conserve aussi. Hein. Et puis les salades de fruits, c'était quand même très souvent le dessert du dimanche, c'était une salade de fruits, très souvent. Hein. Et très souvent aussi, c'était quelque chose qui était fait en famille, et souvent au dernier moment, parce qu'ils avaient l'intelligence de ne pas la préparer avant que les invités n'arrivent, hein. Eh bien c'était tout le monde qui donnait un coup de main, hein. Les femmes se retrouvaient à la cuisine, pendant que les hommes discutaient encore un petit peu, eh bien c'était les femmes qui préparaient la salade de fruits. Hein. Et puis souvent, les hommes y rajoutaient encore un petit peu de schnapps, de kirsch dedans, hein, pour la conservation, et puis pour tous les effets bénéfiques dont parlait Christian tout à l'heure. Les prunes, prunes ou quetch. Alors la prune séchée devient pruneau. Hein, donc ça, vous le connaissez, les vertus laxatives de ce fruit séché qui, lui, se conserve très bien. Donc là, pour l'usage culinaire, donc là, bon, vous connaissez ça, hein, je crois qu'on peut passer. Les usages fréquents, donc les prunes séchées étaient utilisées en cas de constipation ou de ralentissement du transit chez les personnes âgées. Hein. C'est-à-dire que les personnes âgées, souvent, quand on marche moins, quand on bouge moins, eh bien, on a tendance à être plus constipé. Et là, c'est vrai que de prendre ou du jus de prune ou de quetch ou des prunes séchées, eh bien, facilitait le transit. Les tartes aux prunes, aussi délicieuses par leur goût, apportaient leur effet laxatif, comme une certaine purge intestinale. Et bien sûr, la prune était également distillée. Alors, quelque chose que vous connaissez chez nous, c'est le beravec. Et puis, chez les Vosgiens, c'était le hoguei. Eh bien, c'était des gâteaux préparés avec des fruits secs,
Donc là, je vous ai mis quelques fruits qu'on peut y mettre, mais souvent les personnes prenaient ce qu'elles avaient. Donc elles séchaient leurs fruits qu'elles avaient dans leur verger et préparaient ensuite qui le béravec plutôt chez nous et puis le hoguei chez les Vosgiens, en altitude. Donc c'est une très très bonne idée finalement d'avoir là une source de vitamines, d'oligo-éléments en période froide ou en cas de faiblesse. Bien nourrissantes, ces préparations sont les inspiratrices finalement des barres énergétiques. Vous voyez, finalement, les personnes utilisaient ça, c'était une bonne idée, c'était compact, on coupait de fines tranches, et puis on avait cette chose-là qu'on pouvait finalement consommer ensuite pendant toute la période où il n'y avait pas de fruits frais dans le jardin. Voilà, donc nous voudrions lancer un appel pour la conservation du patrimoine local en plantes médicinales, mais j'irai aussi en fruits du verger, ça en fait partie. Ce sont aussi des plantes médicinales et je crois que la première médecine, c'est peut-être notre alimentation. Et je pense que les quelques exemples qu'on vous a donnés ce soir vous montrent à quel point les fruits, tous les fruits finalement, font partie de ce patrimoine, font partie de ces choses qui peuvent nous aider à garder une santé la meilleure possible. Et je crois qu'on a tout ça à disposition. Je pense que, comme le disait la première diapositive, finalement, c'est quelque chose qui donne un peu un goût d'éternité, puisque c'est quelque chose qui renaît chaque année. On n'a pas besoin de refaire quelque chose pour que ces fruits reviennent. Ils sont là, ils sont à disposition. Je crois qu'aujourd'hui, le côté économique chez tout le monde est un petit peu difficile. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de quelque chose qui, finalement, une fois a été planté et donne des fruits ? Il suffit de ramasser, finalement. C'est quand même pas compliqué. Et au fond, on se complique la vie à tout faire, en ne faisant pas, d'ailleurs, en n'utilisant pas ou en n'entretenant pas. Et finalement, on se rend, nous, dépendants de quelque chose de plus consommation, finalement, alors qu'on aurait tout ça à disposition. Et là, je crois que vraiment, je crois qu'il est temps qu'on prenne conscience de ça aussi. Finalement, la nature nous offre un tas de choses, j'ai envie de dire gratuitement, que ce soit au niveau des plantes médicinales ou autres. Nous, on le remarque bien, des personnes viennent nous demander dans notre pharmacie des plantes chinoises ou africaines, etc., alors qu'on a des trésors chez nous. On a le plantain, je veux dire, on sort là, je suis sûre qu'il y a du plantain, j'ai pas regardé, mais je suis sûre qu'il y en a. Il y a un tas de plantes comme ça qu'on a à nos pieds. Ce sont des trésors et finalement, on va chercher ailleurs ce qu'on a tout près. Voilà, alors on a marqué notre site qui s'appelle plantagogo.fr. Donc si vous avez un ordinateur, vous pouvez aller surfer pour voir. Ben là, vous avez les différents points, donc accueil, rencontre. Donc là, on note ce qu'on fait. Donc la soirée de ce soir y est notée, par exemple. Des sorties botaniques, nous en organisons aussi en saison. Des recherches, contenu de l'ouvrage, donc ça c'est le livre que nous avons écrit, des contacts avec nos téléphones, courriels, quelques paroles de saison et des liens et à propos, donc les dernières nouvelles du monde des plantes et la biodiversité qui est aussi un sujet important. Quelqu'un disait en fait, la pollution de la planète c'est pas un problème, c'est 6 milliards de problèmes. Merci. Ah oui, pardon, j'oubliais les dernières diapos. Donc là, c'est juste un résumé du livre. Donc il présente chaque fois des éléments de reconnaissance, donc botanique des plantes avec photos, et puis des éléments linguistiques également, des légendes et des anecdotes donc sur les histoires des plantes. Alors il y a à la fois ce que les personnes nous ont dit des plantes, ça c'est ce que vous trouverez sous usage populaire. Et il y a des informations sur les découvertes scientifiques avec notre commentaire. Et ensuite, des choses concrètes avec la récolte, donc quand récolter la plante. Et ensuite, l'utilisation avec les dosages. Et s'il y a lieu, les précautions d'emploi. Voilà, comme ça, c'était complet. À peu près, oui. Répertoire aussi, oui, des principales affections. Plantes et formules par indication, ça, c'est à la fin de l'ouvrage. Et puis aussi, il y a tout un volet sur les croyances, sur tout ce qui est ethnologique. Et également, on nous parlait aussi, vous savez, quelquefois d'animaux qu'on utilisait, comme par exemple les vers de terre ou des limaces crues qu'on mangeait. Donc ça, on a quand même trouvé ça intéressant, donc on l'a mis aussi. C'était les plantes, mais aussi ce qui concernait le monde minéral et animal, on l'a noté également. Voilà.
Et là, vous avez nos coordonnées, si vous voulez les noter. Si vous avez des questions, bien sûr, on va vous y répondre maintenant. Si vous en avez par la suite, on peut toujours vous répondre également. Et si par hasard, vous avez chez vous des livres de recettes familiales, si vous voulez qu'on vous aide à les décrypter ou qu'on vous aide, vraiment, on vous invite à nous contacter, on vous aidera avec plaisir. Voilà. Donc s'il y a des questions, on est bien sûr prêt à y répondre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, on en a peut-être oublié d'autres encore. Hein. Oui, nous on dit toujours 2 ans maximum. Hein. C'est-à-dire que très souvent, si vous voulez, les personnes faisaient des réserves à peu près pour être sûr d'en avoir pour 1 an. Ils en prenaient un petit peu plus en se disant si jamais l'année prochaine il n'y en a pas assez, pour que comme ça j'en ai au moins sur 2 ans. Mais s'ils avaient une année où ils avaient une bonne récolte, eh bien ils jetaient peut-être ce qu'il y avait, puisque c'était quelque chose qu'il y avait à profusion. Hein. Mais en général, on dit 2 ans. Oui, pour les questions pratiques, quand il s'agit d'une plante aromatique, le serpolet par exemple ou le thym, on n'a pas intérêt à le garder au-delà d'un an parce que beaucoup d'essences disparaissent effectivement, s'envolent pour des feuilles telles que les feuilles de noyer, ça peut se conserver 2 ans. Au-delà, en général, c'est moins intéressant parce que même le noyer qui ne renferme pas beaucoup d'essences, on a quand même un petit peu qui finissent par disparaître au bout de 2 ans, donc c'est pas l'idéal. Et quant à la préparation, on a fait un petit peu la différence entre 3 grands modes, la macération à froid, l'infusion, la digestion. Alors si je prends un exemple courant, celle de la mauve ou des mauves, qui sont utilisées soit comme laxatif léger, soit comme expectorant pour la toux, on peut les préparer par macération à froid, mais ce n'est pas le cas pour toutes les plantes, pour celle-ci en particulier, c'est-à-dire laisser en macération dans l'eau pendant une nuit, mettons 6 heures à 12 heures. On peut faire une infusion également, avec les fleurs en particulier, et on peut faire une décoction, mais la décoction est en général réservée à des parties plutôt dures, une écorce de chêne par exemple, ou des feuilles de noyer éventuellement, ou de noisetier. On peut faire une courte décoction et continuer par une infusion. La décoction, c'est en fait faire bouillir, c'est-à-dire laisser sur le feu, et l'infusion, c'est lorsqu'on retire, laisser un certain temps. Alors il y a une expérience que je recommande toujours, c'est de préparer tout simplement une infusion de menthe pendant 2 minutes, laisser infuser pendant 5 minutes, pendant un quart d'heure, et puis pendant 3 quarts d'heure. Et goûtez, vous verrez la différence énorme. Quand vous faites une infusion courte de menthe, vous avez surtout les huiles essentielles qui vont passer dans la tisane, qui auront un effet tout simplement digestif. Si par contre vous la laissez infuser très longtemps, plus d'une demi-heure, vous avez des principes amers qui ressortent et qui finissent par dominer les huiles essentielles, donc le côté odorant, et vous avez une action plus importante sur le foie que sur l'estomac à ce moment-là. Et ça c'est le cas pour beaucoup de plantes, suivant le mode de préparation, que vous faites une macération, que vous utilisiez la poudre de plante, ou l'infusion, ou la décoction, vous aurez un résultat complètement différent. Un jour en conférence, il y a des personnes qui nous disaient « Oui, mais autrefois, dans les potages ou dans la soupe, on rajoutait souvent des feuilles d'ortie. » Bon, ça c'est connu. Et on rajoutait également de la prêle. Alors la prêle, c'est intéressant parce que quand on utilise la poudre de prêle ou la prêle entière, on a un effet reminéralisant qui vient des minéraux qui se trouvent dans la prêle, entre autres de la silice. Prêle est bonne pour l'ostéoporose, pour les os, etc. Si par contre, on fait une simple infusion, et qu'on filtre, qu'on retient dans le filtre la prêle, on a simplement un effet diurétique, mais on n'aura jamais un effet reminéralisant. Donc pour chaque plante, il y a vraiment un procédé, un mode opératoire différent, et c'est ce qui fait un peu toute la science et l'art de la connaissance des herbes ou des plantes médicinales. Ce qu'on sait simplement, c'est que plus la feuille, s'il s'agit d'un arbre fruitier, est amère ou a un goût astringent, plus elle a des chances d'avoir de propriétés médicinales. Alors c'est un peu de cette manière qu'il faudrait répondre. D'ailleurs, autrefois, les anciens le savaient bien, puisqu'ils goûtaient systématiquement et ils attribuaient un certain nombre de propriétés médicinales en fonction des qualités. Est-ce que la plante était considérée, on en parlait, comme chaude, comme froide, comme sèche, etc. Mais plus précisément, est-ce qu'elle était astringente? Est-ce qu'elle était amère? Et vous aviez des quantités de termes anciens, rien que pour décrire le terme amer.
ce qu'on retrouve encore dans des médecines anciennes, telles que la médecine ayurvédique. Vous avez une trentaine ou une quarantaine de termes pour décrire l'amertume, pour décrire l'acidité. Et donc on se rapprochait beaucoup plus presque de la chimie de la plante déjà, par cette description des goûts, par les couleurs, par les odeurs, etc. Là aussi c'est quelque chose de tout à fait fascinant, ces fameuses signatures des plantes. Et en même temps, c'est tout à fait mystérieux parce qu'on a été en contact avec des sorciers, avec des chamans d'autres régions du monde et qui résonnent toujours encore de cette manière-là. Alors ici, on le caricature un petit peu. On a déjà entendu, ça se dit même en faculté de pharmacie, en disant que, bon, on disait autrefois que la calidoine, puisqu'elle a un suc jaune, est bonne pour la bile qui est jaune également. Ça, c'est la caricature. Mais en réalité, autrefois, ici, comme dans les pays africains ou ailleurs, on ne retenait pas une signature, mais 20, 30, 40, et en fonction de la cohérence de tout un ensemble de signes que les anciens voyaient, ils finissaient par dire « il y a des chances pour nous que la plante puisse avoir telle ou telle propriété ». Mais ça, c'est déjà un travail d'ethnologie ou d'anthropologie, c'est une autre de mes passions, mais c'est vraiment un monde tout à fait intéressant, parce qu'on a tellement l'habitude depuis des décennies de raisonner de manière mathématique, en tenant compte de causalité qui va produire un effet, donc un raisonnement déductif, on déduit quelque chose qu'on oublie le raisonnement analogique, qui était pourtant aussi important autrefois. Mais bon, ça pose de telles questions philosophiques et de remise en cause. Alors moi, je voudrais préciser une chose aussi qui est très importante, c'est en fait la nature du sol aussi. Hein. Et ça, c'est vrai que finalement, très souvent, vous avez des plantes qui poussent parce qu'il y a tel ou tel sol. Eh bien, je dirais que la force aussi que va avoir l'arbre et donc le fruit qu'il va porter après sera aussi en fonction du sol. Et ça, je crois que c'est une chose importante. Il y a la plante sauvage, mais il y a aussi la plante, comment elle a poussé. Hein. Une fois, j'avais fait une expérience, justement, quand on était dans les Vosges. Je me dis, c'est vrai, on se promène toujours quand il fait beau. Eh bien, un soir, je suis sortie par tant d'orage, hein, donc j'étais presque pliée parce qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Et il y avait finalement des plantes, c'était des violettes toutes petites, je veux dire, elles ne pouvaient pas aller se mettre à l'abri. Hein. Et le lendemain, je suis retournée au même endroit, c'était en été, donc il faisait très très chaud. Mais finalement, ces plantes, mais les arbres dans les vergers, c'est la même chose, elles peuvent être à un moment donné vraiment sous un soleil très très fort. Et puis ensuite, sous une pluie très forte. Hein. Je crois que c'est un petit peu comme les personnes, finalement. Si vous avez une personne qui reste chez elle, dans sa maison, et puis qu'on lui apporte tout sur un plateau, eh bien, elle ne va pas développer les mêmes forces que quelqu'un, ma foi, qui va s'affronter un petit peu à la vie, avec les coups durs qu'il peut y avoir, etc. Et je pense que les fruits, finalement, vous redonnent aussi toutes ces forces qu'elles ont dû développer pour se maintenir. Et si vous voulez, nous, ce qui nous frappait aussi, c'est que les personnes, les anciens, nous disait aussi que si on a une maladie, ben c'est que dans son entourage, il y a la plante qu'il faut. Et je pense que les fruits, c'est peut-être la même chose. Chez les adultes également, oui, on a constaté que la pectine complexe d'une certaine manière, c'est-à-dire entoure, si vous voulez, des molécules de césium ou de strontium radioactif et permet de les éliminer. Ce qui fait qu'en l'espace d'un an, on a pu constater pour de nombreux enfants de Tchernobyl qu'on arrivait à éliminer pratiquement un tiers de la radioactivité. Donc au bout de quelques années, on peut supposer qu'on arrivera à éliminer la quasi-totalité de la radioactivité en donnant des doses importantes de pectine. Alors c'est intéressant parce que c'est un remède qui n'est vraiment pas cher et qui permet de traiter. Bon, mais là, ça pose de nombreux autres... Comment ? Oui. Mais ça pose de nombreux autres problèmes, hein, parce qu'on sait que dans certaines régions, même en Russie ou en Biélorussie ou en Ukraine, qui ont été contaminées, il faudrait commencer tout simplement par nettoyer le sol, hein, enlever la partie du sol la plus superficielle, la mettre ailleurs et remplacer par une terre non radioactive. Hein. Il faudrait commencer par ça, et ce serait rendre service évidemment aux arbres fruitiers de la région également. C'est une question d'hygiène, de culture tout simplement. Hein. Mais ça n'a pas été fait tout simplement parce que ça permet de toucher des subventions de l'État russe. C'est un contexte. Oui, le plantain aussi est un exemple. On peut l'utiliser sec ou frais. C'est-à-dire que si vous l'utilisez comme cicatrisant, comme anti-inflammatoire, si vous blessez par exemple dans la campagne, on recommandait autrefois de mâchonner des feuilles de plantain fraîches. Et il se trouve que quand on les mâchonne fraîches, vous avez un principe qui est l'ocubozide, un principe chimique qui a besoin d'eau pour réagir et devenir médicinal. Et quand cette réaction chimique s'est faite, en présence d'eau,
Vous avez un effet hémostatique, donc qui arrête le sang, vous avez un effet anti-inflammatoire et vous avez un effet cicatrisant. Donc les trois principales propriétés dont on a besoin pour traiter une plaie ouverte. Donc là, on a ces propriétés avec la plante fraîche et on ne les aura pas avec la plante sèche, au contraire. Par contre, le plantain sec aura d'autres propriétés antitussives. On peut en préparer un sirop, d'ailleurs on le fait encore pour nos propres enfants, qui est bon pour la toux. On la met sur la plaie, tout à fait. Non, au contraire, la salive a un effet antibactérien elle-même, donc elle ajoute encore un petit peu à ce pouvoir antiseptique. Mais d'abord, on peut faire une macération simple, faire macérer par exemple une gousse d'ail pendant une nuit de façon à adoucir le goût, à avoir quand même un effet hypotenseur ou antiseptique. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça, dans l'eau tout simplement. Alors quand on le fait dans l'eau, vous avez simplement des principes hydrosolubles qui vont passer, c'est-à-dire tout ce qui est soluble dans l'eau. Si vous voulez avoir un peu plus de propriétés médicinales, il faut utiliser des solvants tels que l'alcool, qui laissent passer à la fois des substances solubles dans l'eau et solubles dans l'alcool. Donc c'est déjà plus riche. Et puis ensuite, vous avez une préparation que nous aimons beaucoup, nous, en pharmacie. On en fait un certain nombre. C'est ce qu'on appelle les extraits fluides, où on travaille, c'est avec un nom scientifique, ce qu'on appelle des gradients d'alcool. C'est-à-dire on commence par travailler en extrayant les différents principes avec de l'eau, ensuite avec de l'alcool de plus en plus fort, jusqu'à aller à de l'alcool à 80 ou 90 degrés. Moyennant quoi, on a pratiquement tout le spectre de ce qu'on peut trouver dans la plante médicinale qui est extrait. Donc on a vraiment la plante totale. Alors si vous achetez en pharmacie une teinture mère d'arnica par exemple, la teinture mère d'arnica est faite en gros avec un équivalent de 10% de plantes sèches. C'est calculé tout ça. En réalité, on part à partir de plantes fraîches, donc on prendra peut-être 70% de plantes fraîches, mais vu la quantité d'eau qu'elle contient, en équivalent, ça fait 10% de plantes sèches. Si vous faites un extrait fluide, vous avez 100% de concentration, donc 10 fois plus. C'est-à-dire que pour obtenir 1 litre d'extrait fluide, vous partez d'un kilo de plantes fraîches. Donc là, c'est une concentration qui est énorme. Et en plus, de plantes sèches, pardon. Et en plus, vous avez vraiment tous ces degrés de concentration différents. Donc là, c'est vraiment l'idéal. C'est une très ancienne préparation qui existait déjà au Moyen-Âge, qui a été retravaillée maintenant, qui est devenue très efficace. Ensuite, vous avez les macérations dans l'huile. Là, c'est pour retirer encore d'autres principes qui sont solubles uniquement dans les huiles. Alors parfois, on fait des mélanges avec de l'huile et un tout petit peu d'alcool, de façon à avoir encore un petit complément. Là aussi, c'est tout un art, et puis qui, bien sûr, est fonction des différentes plantes et de ce qu'on veut sortir de ces plantes, qui fabriquent une préparation anticancéreuse. Disons que le gui non fermenté était connu autrefois à l'époque druidique comme tonique. Et dans beaucoup de régions, j'ai encore vu récemment une Serbe qui me racontait qu'en Serbie, on apprend aux jeunes enfants à manger les boules de gui de façon à passer à écraser la baie avec la langue, de façon à ne pas écraser la graine avec les dents, donc pour éviter l'effet toxique. Quand les graines sont rejetées entièrement, vous n'avez pas d'effet toxique. Bien sûr, je ne vous le recommanderai pas parce qu'un accident est quand même vite arrivé. Mais ça se pratiquait beaucoup, même ici en Alsace autrefois, ce genre de choses. Et le gui a donc été considéré comme ayant différentes propriétés, toniques, etc., mais surtout hypotensif, donc diminuant la tension artérielle. Ça, c'est connu, on le retrouve dans des ouvrages traitant de plantes médicinales telles que des Kräuterbücher depuis le 15e siècle. Et puis, comme la plante était considérée un petit peu partout comme ayant des effets stimulants, on s'est demandé si on pouvait l'utiliser contre le cancer. Et là, des préparations fermentées ont été utilisées. Là aussi, il y en a d'autres qui ont été faites dans des siècles passés déjà. Maintenant, ça a été un petit peu rationalisé. Alors, il existe différentes préparations, depuis l'Europe jusqu'à la Russie, qui partent en fait de mélanges de gui d'été et de gui d'hiver, donc en clair de mélange de suçoir et de feuilles, et de gui. On mélange le suc que l'on obtient avec les deux. On fait fermenter l'ensemble, séparément ou ensemble, et on obtient, disons que le fait de fermenter permet de découper des dérivés protéiques en petits morceaux qui sont des acides aminés ou des polypeptides. Et ces petites substances, donc découpées en morceaux par la fermentation, ont une activité d'une part toxique pour les cellules cancéreuses, ce qui fait un anticancéreux, mais en même temps, et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant, immunostimulant.
Parce que c'est le problème de beaucoup de traitements anticancéreux actuellement, c'est qu'on détruit totalement le système immunitaire, donc on se retrouve complètement à plat, moralement aussi épuisé, on n'a plus aucune résistance aux infections, et on ne pense pas toujours à remonter le système immunitaire. Alors ça, c'est une préparation qui le fait. Bon, beaucoup de chercheurs ne recommandent pas son utilisation seule. Ça, c'est à chaque médecin de décider ce qu'il veut en faire. Mais bon, il existe de nombreuses préparations en Europe avec ses propriétés. Mais disons que le ghee non fermenté n'a absolument pas les mêmes propriétés que le ghee fermenté. Alors aujourd'hui, le ghee est un petit peu sur la sellette parce que il était même question à un moment donné d'une interdiction de son usage en populaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter en pharmacie, comme on le fait actuellement, des feuilles de gui séchées pour passer à des préparations contrôlées, comme ça s'est fait pour la digitale, où on ne peut plus acheter actuellement de feuilles de digitale, mais uniquement des extraits dosés. Donc on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir à propos du gui. Mais à l'heure actuelle, on peut toujours utiliser encore, et ça se fait, des feuilles de gui, des feuilles d'olivier pour traiter la tension artérielle, mais en étant prudent. Alors d'abord, vous parlez de cette fameuse croyance qui consiste à dire que le gui détruit en fait l'arbre hôte. Les botanistes ont montré que ce n'est pas exactement le cas. Plus exactement, c'est un arbre qui est malade ou qui n'est plus en forme suffisante qui attire le gui à un moment donné. De la même manière que nous, lorsque nous attrapons une maladie microbienne, il faut voir quelle est la cause. Est-ce que c'est le microbe lui-même ou est-ce que c'est l'organisme qui est déjà fatigué à l'origine ? Au contraire, il semble que le gui semble apporter un petit surplus de vitalité à un arbre qui est déjà un petit peu malade. Alors évidemment, après, il peut avoir tendance à l'étouffer, ça c'est un autre problème s'il se développe de manière trop intensive. Alors quant aux variétés de gui, dans la tradition, les guides récoltaient le gui de chêne qui est effectivement rare. Beaucoup de laboratoires recherchent effectivement du gui de chêne de préférence, mais à ma connaissance, aucune étude n'a jamais pu montrer la réalité de ces choses-là. Elle se base là encore sur cette théorie des signatures à laquelle je faisais allusion. Ça n'exclut pas qu'il y ait quelque chose de vrai, mais pour l'instant, on n'a pas pu le prouver. Disons que ça nécessiterait des études extrêmement fines pour vérifier, avec des dosages très fins, pour vérifier si par exemple après fermentation, parce que c'est surtout au niveau du cancer que ça pourrait être intéressant, si la quantité de lectine ou la composition exacte des lectines, donc ces fameuses substances anticancéreuses, est sensiblement différente d'un gui de chêne, un gui de pommier, un gui d'aubépine, etc. Alors, il y a actuellement 5 à 6 types de gui qui sont utilisés, parce qu'on a constaté qu'ils étaient efficaces, mais sans étudier suffisamment la composition diverse. Bien, bah écoutez, nous vous remercions pour votre attention, et puis vous souhaitons de cueillir encore beaucoup de fruits dans nos vergers. Alors les fruits du cassis à peine mûrs sont utilisés aussi comme un laxatif léger, donc première propriété médicinale. Et l'infusion de feuilles de cassis est prise en cas de diarrhée, parfois complétée avec les baies pour le rhume, la gorge ou les bronches. Contre les rhumatismes, on utilisait surtout les feuilles comme diurétique également. Alors il se trouve qu'on a montré que les feuilles ont une activité anti-rhumatismale parce que anti-inflammatoire. Donc excellent complément de plantes telles que le bouleau, telles que la fameuse griffe du diable qui vient d'Afrique, la prêle et bien d'autres. Activité anti-inflammatoire et en même temps diurétique pour les feuilles. Alors c'est donc, comme dit, la feuille séchée qui est utilisée pour ses propriétés diurétiques digestives, pour améliorer la circulation ou en cas de douleur anti-rhumatismale, puisqu'étant anti-inflammatoire, elle diminue la douleur. En infusion, on peut utiliser 5 g de feuilles séchées pour 1 litre d'eau bouillante, ou sous forme plus moderne, en gélule, à raison d'une gélule 3 fois par jour. Quelle était la transmission de ces connaissances, comment se faisait-elle et quelles étaient les traditions? Alors ceci, de manière générale, elle était bien sûr surtout féminine, parce que les femmes dans le foyer, d'abord, avaient à charge de soigner les enfants. Elles discutaient beaucoup entre elles également des problèmes typiquement féminins, problèmes de ménopause, d'accouchement, de naissance, d'allaitement, d'avortement éventuellement, et tout cela à travers les veillées qui ont bien sûr disparu au profit de la télévision. Alors on en a retrouvé énormément de traces au cours de nos enquêtes, puisque lorsque nous discutions il y a encore 10 ans avec une personne qui avait 70 ans, si elle avait la chance d'avoir connu ses grands-parents, elle pouvait nous raconter nombre d'anecdotes datant de la guerre de 14.
donc qui avait été transmise oralement. Dans le meilleur des cas, nous avons trouvé des cahiers de famille tout à fait intéressants, qui étaient souvent d'ailleurs des mélanges de cahiers de recettes de cuisine et de recettes de remèdes, qui datent d'avant la guerre de 14 encore, 1870 à 1900 en gros. Alors, j'ai mis Carolus Magnus aussi, c'est le fameux Charlemagne, l'inventeur de l'école, parce qu'il a joué un rôle clé dans le développement des arbres fruitiers dans toute l'Europe, puisque dirigeant le grand empire carolingien, à cheval sur la France, l'Allemagne et l'Italie, il avait édicté une ordonnance carolingienne qu'on appelle un capitulaire, le capitulaire d'Evilis, qu'on a daté entre 800 et 812, où il imposait aux jardins impériaux la culture d'à peu près 90 plantes, dont une bonne trentaine d'arbres fruitiers, déjà à l'époque. Alors, les jardins impériaux n'ont pas suivi à la lettre ces recommandations, et ceux qui l'ont vraiment appliqué pendant près d'un millénaire, c'était les abbayes, les monastères à travers toute l'Europe qui ont joué ce rôle de transmission, de plantation, de semis, ce qui fait que ça continue à se transmettre à travers les curés de paroisse, les pasteurs. Vous avez une certaine influence de la médecine savante également, nombreuses traces de médecine humorale avec, à travers la description des quatre éléments. On disait que tel arbre est plutôt chaud et humide ou plutôt froid et sec, etc. Ce qui a été simplifié ensuite, on parlait plutôt de maladies froides et chaudes, ce que nous avons encore largement retrouvé dans les campagnes, et puis d'astromédecine, puisque la plupart des ouvrages de nos ancêtres, les apothicaires, au 15e, 16e siècle, décrivaient les plantes avec des termes purement astrologiques. Les Kräuterbücher, publiés à Strasbourg essentiellement, qui ont fait de longues descriptions de toutes sortes de plantes médicinales, la sorcellerie, donc la forme vosgienne de la sorcellerie, et les guérisseurs. Alors, autre exemple, le noyer, bien fréquent encore dans nos vergers, bien qu'il tende lui aussi à disparaître progressivement. Alors, d'origine persane, donc un petit peu lointaine, cet arbre a été acclimaté d'abord en Grèce, puis ensuite en Italie, et enfin chez nous en Gaule. Ce sont donc les Gallo-Romains qui ont répandu les premières races d'élite, et Charlemagne, comme dit, a ordonné de planter systématiquement des noyers dans ces domaines. Hildegard de Bingen, au XIIe, XIIIe siècle, comme Albert le Grand, recommandait les noix contre les intoxications. Bon, ça n'a pas vraiment été prouvé. Par contre, contre les abcès du foie et les maladies de peau. Alors, contre les maladies de peau, effectivement, il y a une action tout à fait certaine. Alors, Mathiol a indiqué aussi l'utilisation de cerneau pour l'estomac et de chaton macéré dans du vin contre les spasmes utérins. Alors, quels sont les usages populaires? On parlait d'utilisation antispasmodique. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'on utilise toujours des feuilles de noyer sous forme d'apéritif, ou alors les fameuses noix fraîches, la préparation apéritive bien connue en Alsace. Donc on peut préparer du vin par macération de feuilles fraîches, ou comme on le verra plus tout à l'heure, à partir de noix cueillies au moment de la Saint-Jean, pour des propriétés dans les deux cas, toniques, stomachiques, antidiabétiques, antiseptiques. On a même constaté que les infusions de feuilles de noyer peuvent avoir un effet de sélection régénérant sur la flore intestinale, quand la flore intestinale est un petit peu défaite. Alors dans le vignoble, l'eau de vie est très connue, le fameux Notsewasser en alsacien, qui était un petit peu l'égal des grands élixirs universels, aux côtés des liqueurs d'arquebuse, aux côtés de l'élixir du suédois. Alors quels étaient les usages cités dans la bibliographie scientifique? Alors, il est tonique, dépuratif, gastro-intestinal, donc agit effectivement sur les intestins, parce qu'il est riche en tanins, qui ont un effet astringent, antibactérien, et puis en même temps par des essences. Ce qui fait que quand on fait une infusion de feuilles, vous avez une certaine odeur qui provient de ces essences. La plante a la réputation d'être antidiabétique, ce qui a été attesté aussi par de petites études cliniques. Pas de grande envergure, mais il y a quelque chose qui va dans ce sens. Alors, chose curieuse aussi, on disait souvent autrefois qu'il n'est pas bon de rester sous un noyer. Alors, c'est tout simplement parce que le noyer émet de la juglone, une substance qui a des effets sédatifs, ce qui fait qu'on a tendance à s'endormir sous le noyer. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut l'être pour les plantes qui poussent dessous, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de plantes qui réussissent à pousser sous le noyer à cause de ce même effet antibactérien de la juglone. Alors, comment utiliser le noyer ?
Alors d'une part, en usage interne sous forme d'infusion de 10 grammes pour un litre de feuilles séchées, laissées infuser relativement longtemps, pendant un quart d'heure environ, de façon à ce que les tanins aient le temps de diffuser dans l'eau, en cas de diarrhée ou en cas de déséquilibre de la flore intestinale. Alors les préparations trop concentrées sont irritantes à cause de la présence trop importante de juglone. On peut noter aussi l'utilisation fréquente autrefois dans l'alimentation de 3 huiles dont on connaît aujourd'hui la richesse en oméga 3. On parle beaucoup de l'importance de ces huiles, riches en oméga 9 telles que l'huile d'olive, riches en oméga 6 telles que le tournesol, le cartame, etc. et en oméga 3 telles que les huiles de noix, de lin et de chanvre, mais qu'il faut utiliser frais parce qu'elles rancissent facilement, elles peuvent donc développer des dérivés toxiques. Donc une fois de plus, les anciens avaient bien raison de préconiser ces huiles-là. Elles sont anti-inflammatoires, fluidifiantes du sang et même antidépressives. Alors le noisetier, lui aussi, très utilisé. Alors quels sont ses usages populaires? Alors d'une part, les jeunes feuilles de noisetier en infusion peuvent être utilisées comme le marron d'Inde, comme la mamélis, comme la vigne rouge dans les affections veineuses. On n'y pense plus, c'est une plante qui est tellement facilement à notre portée qu'on préfère penser à d'autres plantes qui viennent d'ailleurs, mais elle est efficace en cas de jambes lourdes, d'hémorroïdes, à condition de faire une infusion suffisamment longue comme pour le noyer. Alors effectivement, on a constaté que la plante est anti-inflammatoire, anti-œdémateuse, vénotonique et anti-hémorragique, exactement comme la mamélis ou comme le marron d'Inde. D'ailleurs, la moderne gémothérapie, c'est l'utilisation des bourgeons, fait référence à ces mêmes usages, donc les bourgeons de noisetier dans les cas de problèmes circulatoires, jambes lourdes. Alors quand récolter? Quand les jeunes feuilles apparaissent au printemps, donc les jeunes feuilles après floraison. Alors on peut l'utiliser en cas de varices, d'autres troubles veineux, de métrorragie ménopausique également. Là c'est pour l'effet anti-hémorragique, ou en cas d'ulcère variqueux. À côté d'autres médicaments en principe, bien entendu. Alors autre exemple, les myrtilles. Alors ça c'est pas vraiment un fruit de verger de plaine. Mais ça vous montre que c'est un petit fruit qui est extrêmement complet, qui a de très nombreuses propriétés qu'on peut retrouver partiellement dans des fruits tels que la mûre, dont ma femme vous parlera tout à l'heure. Alors au XVIe siècle, elle était surtout utilisée contre la diarrhée et la dysenterie. Alors chose curieuse, quand on utilise les fruits frais de myrtille, de par les acides de fruits, vous avez un effet laxatif. Si vous utilisez les fruits secs, vous avez au contraire un effet antidiarrhéique. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous séchez le fruit, les acides de fruits disparaissent et ce sont les tanins qui prédominent, qui ont une action antidiarrhéique. Si par contre vous les utilisez frais, vous régularisez le transit intestinal. Alors vous avez de nombreux noms patois ou alsaciens ou allemands. Alors on nous disait aussi, quand les myrtilles sont mûres, les médecins peuvent partir en vacances, tant les propriétés des myrtilles sont importantes. Alors les fruits mûrs et frais sont légèrement laxatifs. Les brimbelles crues, nous disait-on, c'est bon pour la constipation et la diarrhée. Cette phrase courante qui résume bien l'action régulatrice, donc dans les deux sens des baies de myrtilles fraîches, sur les fonctions digestives, tandis que les fruits séchés sont utilisés dans les cas de troubles circulatoires. Ça fait arrêter la diarrhée, ça resserre les selles, nous disait-on. Alors quels sont les usages qui sont cités par la science aujourd'hui? Alors par leur richesse en tanins, sont astringents antidiarrhéiques, effectivement, antidiabétiques, encore une fois, comme le noyer. Ce qui correspond, alors on nous disait au départ, oui, bon, ça a une action surtout par le biais de la circulation, mais en fait on a prouvé que ce n'est pas seulement sur la circulation, par exemple les diabétiques qui ont des problèmes de rétine, mais ça a une action beaucoup plus profonde sur le diabète, parce que la feuille est riche en chrome, et puis parce qu'elle agit sur le fond du diabète, pas seulement sur les problèmes circulatoires. Alors quant aux fruits, ils ont été bien étudiés par les Allemands et par les aviateurs britanniques. C'était d'ailleurs un secret bien gardé les deux premières années de la guerre, ce que les aviateurs consommaient pour bien voir pendant la nuit des fruits de myrtille, et c'était un secret militaire qui n'a pas duré très longtemps. Donc les pilotes de Stuka d'abord, puis ce fut le secret des Anglais. Alors effectivement, les fruits ont une action positive au niveau des yeux et une action anti-inflammatoire, antimicrobienne et anti-ulcère gastrique. Alors les baies sont également considérées comme toniques, d'où leur action sur l'esprit, disait-on autrefois. Alors mode d'emploi pour les feuilles, tout à fait classique, hein, une cuillère à soupe de feuilles en infusion dans 250 ml d'eau, infusée pendant 10 à 15 minutes, ou alors en gélules, 3 à 6 gélules par jour.
Alors les baies séchées, alors en cas de diarrhée, soit croquer des baies, soit avaler des gélules, ou encore faire une infusion de baies séchées et avaler les baies avec la tisane. Alors il y a une précaution d'emploi, c'est que comme les rêles, comme tout autre fruit susceptible de recueillir l'urine du renard, il faut se méfier de la fameuse échinococcose. Mais c'est le cas pour n'importe quel fruit, même des framboisiers poussant bas sur l'arbuste. Alors je vais laisser la parole à ma femme qui poursuivra cette causerie. Voilà, donc on va passer au framboisier. Alors c'est vrai que le framboisier, tout le monde connaît, je pense que tout le monde aime ce fruit. Alors vous voyez, c'est quelque chose de finalement très très banal, on peut dire, que le framboisier. Mais il y aura, vous verrez en fin de commentaire sur le framboisier, néanmoins des précautions d'emploi. Et c'est là où on voit qu'en fait la nature qui nous entoure est très très riche. Et nous, à la faculté, il y avait un professeur qui nous disait une chose que je trouvais toujours passionnante. Il disait qu'en fait, il y a quelquefois une différence très mince entre la notion de boisson, de potion et de poison. Hein ? C'est vrai que tout est une question de dose. Et c'est vrai que quelquefois, même des choses qui peuvent paraître toutes simples, comme le framboisier par exemple, eh bien, a des vertus très importantes et peut quelquefois amener à certaines précautions d'emploi, comme dit, on va en parler. La récolte des fruits sauvages remonte à très très longtemps, hein, si on en a eu des preuves, et la culture, elle, remonte au Moyen-Âge. Donc au départ, c'était les fruits qui étaient utilisés, et vous voyez, c'était sous forme de limonade, de sucre, de marmelade, etc. Et c'était utilisé contre les fièvres aussi, contre la faiblesse du cœur et la faiblesse en général, donc en tant que tonique. Voilà un peu de linguistique, comment on nomme le framboisier en français, en patois belge et en allemand. Alors les usages populaires, c'est-à-dire que sous usage populaire, nous avons mis tout ce que les personnes nous ont dit de ces plantes. Donc vous voyez que c'est dans le cas des règles douloureuses pour les jeunes filles ou les femmes plus âgées, diurétiques et digestives, en cas de maux de gorge, rentrant dans la composition de tisane de santé. Alors je vais m'arrêter un petit peu à cette notion de tisane de santé parce que je trouve que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. La tisane de santé était en fait une autre tisane tous les jours. Et là, c'était la femme qui la préparait en fonction de ce qu'il y avait comme besoin pour les membres de la famille. Alors c'est vrai qu'autrefois, il y avait souvent plusieurs générations sous un même toit, souvent trois voire quatre générations sous un même toit. Et c'est pour ça que pour la tradition qui était surtout féminine, transmission verbale mais aussi visuelle puisque la petite fille avait vu faire sa mère et sa grand-mère, eh bien ces tisanes de santé étaient en fait un petit peu le feuilleton de la famille. Et c'est vrai que la femme qui faisait cette tisane de santé, eh bien adaptait la composition, soit si personne n'avait spécialement de soucis, à ce qui poussait au moment où elle allait la préparer. Ou alors en hiver, puisqu'elle avait aussi séché des plantes, eh bien elle allait chercher, là vous avez dans l'exposition en bas, de magnifiques bocaux avec des fruits en conserve, eh bien il y avait aussi une armoire où la femme avait ses plantes séchées, qu'elle séchait au fur et à mesure de la saison où ses plantes se présentaient, pour avoir un petit peu, je dirais presque sa pharmacie à la maison. Hein. Et c'est donc dans cette pharmacie-là qu'elle puisait pour faire cette tisane de santé. Alors aujourd'hui, dans notre monde plus moderne, souvent on prend une tisane quand on est malade. Eh bien non, là, il faisait du préventif et cette tisane de santé faisait vraiment partie du quotidien. Alors une petite parenthèse aussi, quand Christian ou moi a lui enquêté auprès des personnes, moi, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que nous étions toujours reçus autour d'une table. Alors c'était soit la table de la cuisine ou la table de la salle à manger. Hein, je crois que ça montre aussi l'importance, en fond, de ce qui se passe autour d'une table. Alors, Christian avait droit aux schnapps, hein, aux différentes eaux de vie. Puis moi, j'avais plus de chance, j'avais les tartes. Hein, donc, les fruits du verger étaient très présents là aussi. Donc, la tisane de santé, comme dit, faisait vraiment partie du quotidien de ces personnes. Et puis, après l'eau de vie de kirsch, eh bien, c'était l'eau de vie de framboise qui venait en deuxième position au niveau de la fréquence. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, c'est que ce framboisier est efficace par les tanins, hein, tanins des feuilles, propriétés astringentes, donc ils vont resserrer, hein, donc antidiarrhéiques. Usage, vous voyez les quantités à utiliser, mais vous voyez cette plante toute simple, toute commune, à ce que je vous annonçais tout à l'heure, des précautions d'emploi. Parce qu'effectivement, c'est une plante qui va être fortifiante au niveau des feuilles,
mais très fortifiante aussi sur les muscles lisses. Ce qui fait que, comme je l'ai noté là, on va éviter son emploi en tout début de grossesse pour éviter qu'il y ait des contractions, qu'il y ait une fausse couche. Hein, voyez, donc quelque chose d'aussi simple que le framboisier. Alors c'est aussi un excellent antioxydant. Hein, donc là, vous voyez les différentes compositions. Christian en a parlé tout à l'heure, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus. Donc les maladies cardiovasculaires aussi et tout ce qui est lié au vieillissement va être aidé par cette plante. Hein. Et en plus, elle va inhiber l'oxydation du cholestérol, le mauvais cholestérol, dans le sang. Cette plante contient également du manganèse, du fer aussi. Donc là aussi, vous voyez que c'est quand même une plante qui est très féminine. Hein. Vous aviez vu qu'il l'utilisait autrefois pour les troubles chez la jeune fille et chez la femme plus âgée. Et vous voyez aussi que souvent les femmes manquent de fer. Et bien là aussi, on a un apport intéressant de fer grâce aux framboises. Également du cuivre et de la vitamine C. Vitamine C donc aussi antioxydante. Et là également, c'était des fruits qui pouvaient être mis en conserve sous forme de confiture, sous forme de marmelade, etc. Et donc vous aviez aussi tout cet apport-là pendant les saisons où il n'y avait pas vraiment de fruits toujours à disposition dans le jardin. Suivante. On va passer à la mûre maintenant. Alors là aussi, les baies sont les premiers aliments à être consommés par nos ancêtres dès la préhistoire. Donc ça ne date pas d'hier. Dioscoride et Pline, par exemple, aussi attestaient les propriétés médicinales astringentes de la plante. Et également connu comme fortifiant par Hildegard de Bingen. Alors la mûre était utilisée en tant que fruit, mais aussi la feuille de ronce. Alors une formule, entre guillemets, qu'on nous a donnée, c'est prendre 20 feuilles de ronce, une feuille de houx, une feuille de lierre, et tout ceci en tisane. Alors effectivement, la ronce est astringente, donc a une activité antibactérienne dans tout ce qui est buccopharyngé. Le lierre, quant à lui, est antispasmodique et antibactérien, donc effectivement très utile dans les cas de toux. Alors vous voyez qu'avant on avait 20 feuilles de ronce, là on a une feuille de lierre seulement. Effectivement, c'était très prudent puisque c'est une plante qui peut être toxique. Et enfin, une feuille de houx, là également qui va être fébrifuge, donc contre la température, contre la fièvre, également antispasmodique. Donc vous voyez que là, effectivement, étant donné que c'est une plante qui est aussi toxique par ses fruits, eh bien juste une feuille va être suffisante puisqu'elle contient des saponosides, il ne faudrait pas en prendre de trop. Donc vous voyez qu'ils avaient cette notion en fait de dose. 20 feuilles de ronce, pas de souci, parce que ce n'est pas quelque chose de toxique. Par contre, lierre et houx, qui peuvent présenter une certaine toxicité, eh bien on va en prendre moins. Pour la mûre, l'autre nom, c'est la ronce. Donc utilisée, c'est ce que les personnes nous disaient, dans les affections grippales et la toux. Pour la digestion, en cas de difficulté urinaire également, et contre les maux de gorge. Les fruits sont toniques, effet antioxydant à nouveau, donc contre tout ce qui est vieillissement, et les feuilles sont antidiarrhétiques, hémostatiques et diurétiques. Donc effectivement, dans tout ce qui est problèmes digestifs gastro-intestinal, dermatologiques et buccopharyngés. Maintenant, on va passer aux pommes. Alors les pommes, bien sûr, c'est tout un monde. Hein, les pommes, vous avez de superbes exemplaires à l'étage en dessous. Alors le mot malus vient justement du fait que ça représentait un peu le mal. Hein, ça remonte à l'origine biblique, je dirais. Eh bien, il y a bien sûr de nombreuses variétés de pommes. Mais ce qu'il y a de vraiment regrettable, c'est que le nombre de ces variétés tend à diminuer. Et ça, c'est vraiment une grande perte. Ça, je crois que vraiment, il serait important d'essayer d'en sauvegarder le plus possible. Hein, je ne sais pas si on peut lancer un appel, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait riche au niveau de ces variétés. Et je crois que vraiment, ça, il faut le faire connaître. Parce que je crois que dans les plus jeunes générations, pour eux, il y a peut-être 3-4 sortes de pommes. Mais pas plus, alors qu'il y en a vraiment de grandes, grandes quantités. Je pense que vous le savez, vous êtes là, donc vous le savez. Mais c'est vraiment, vraiment à diffuser de plus en plus, je crois, parce qu'il y a un manque de conscience de ces choses-là. Alors, comment peuvent-elles être préparées? Là, je vous ai mis quelques exemples, donc en tarte, en fruits séchés, en compote, en conserve, en fruits crus, en salade de fruits, pour faire gélifier les confitures, en jus, j'ai envie de dire, etc.
Là, je crois que vraiment, c'est quelque chose de très, très étendu. Et c'est vrai qu'autrefois, eh bien, les personnes utilisaient ces pommes parce qu'elles pouvaient se garder longtemps. Et ils n'hésitaient pas à en prendre, qui n'étaient peut-être pas toutes brillantes et toutes parfaites, comme on peut espérer de les trouver quelquefois dans certains magasins. Mais vous verrez qu'il y a quand même des propriétés très importantes au niveau des pommes que je vais appeler aujourd'hui bio, mais qu'autrefois, on n'appelait pas comme ça. Parce qu'on n'avait pas besoin de dire qu'elles étaient bio, elles l'étaient et elles n'avaient pas besoin d'en porter le nom. Alors quelles sont les propriétés ? Bien, effectivement, les pommes sont de bonnes sources d'antioxydants. Mais regardez bien, c'est quand la pomme est mangée avec la pelure. Et effectivement, le pouvoir antioxydant de la pelure est 2 à 6 fois supérieur à celle de la chair seule. Or aujourd'hui, si vous achetez une pomme, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, il y aura eu X. Et le X, c'est grand, hein, comme nombre, X traitement avant qu'elle n'arrive sur l'étalage de l'endroit où vous allez l'acheter. Donc c'est vrai que c'est prudent à ce moment-là d'enlever la pulpe, la pelure. Mais en enlevant la pelure, vous enlevez en fin de compte tout ce qui justement était ce qu'on pouvait rechercher dans la pomme, c'est-à-dire justement toutes ces vitamines, toutes ces forces, je dirais, eh bien vous les enlevez avec la pelure. Et ça, c'est dommage. Donc ça, ce ne sont que les pommes que vous allez avoir, je dirais, du verger directement sans traitement, c'est ces pommes-là que vous pourrez manger comme ça. Ce sont ces pommes-là qui vont vous apporter les vitamines, les oligo-éléments, etc., que vous pouvez en attendre. Donc si vous voulez, c'est pas juste, ah, bah, tiens, ils sont verts, ils aiment la nature, et puis donc ils disent qu'il faut les verger. Non, c'est vraiment, c'est du raisonnable, je dirais, que de prendre ces fruits qualitativement corrects. Bien sûr, aussi un bon apport de fibres alimentaires qui interviendrait aussi dans la diminution du mauvais cholestérol. Aussi de la vitamine C, du manganèse, de la vitamine K. Vous voyez, la vitamine K, c'est quand même pas rien, qui va intervenir au niveau de la coagulation du sang et pour la formation des os. La formation des os, moi j'ai envie de dire que ben, aujourd'hui on parle beaucoup d'ostéoporose. Je pense que finalement, quelqu'un qui prend des pommes qui qualitativement ont tous ces éléments-là, bon, tout seul, ça ne suffira peut-être pas, mais ce sont des éléments quand même qui parlent en faveur de l'utilisation de fruits de qualité. Quelques précautions, mais elles sont mineures, vous verrez, c'est que le fructose et le sorbitol contenus dans les pommes, qui sont deux sucres donc, qui peuvent occasionner quelques petits troubles gastro-intestinaux chez des personnes sensibles, à savoir des ballonnements, des flatulences et de la diarrhée. Mais ça, souvent, la personne qui le sait, ma foi, eh bien, elle modérera un petit peu la quantité qu'elle mangera, et puis c'est tout. Et il existe aussi des allergies croisées avec le boulot. Donc ça, c'est vrai que souvent, la personne qui est allergique au boulot peut l'être aux pommes. Eh bien, les pommes se conservent au frais, jamais à température ambiante, parce qu'elles continuent de mûrir et perdent leur saveur. Et elles peuvent être déshydratées, donc pour ça, on peut enlever le cœur, les peler, puis couper en rondelles, arroser de jus de citron, ça c'est pour qu'elles gardent leur couleur, et mettre dans un four réglé à très basse température pendant 6 à 8 heures, ou bien sous forme de jus en bouteille par exemple. Et ça, c'est vrai qu'autrefois, les personnes nous disaient qu'ils gardaient toujours des pommes dans leur cave, bien au frais, et que là, ils en avaient pendant une bonne partie de l'hiver. Alors là, je vous ai mis « ne vous fiez pas aux apparences », effectivement, parce que ce n'est pas forcément parce qu'elles sont toutes belles qu'elles sont bonnes. Donc les anciens savaient que les pommes étaient bonnes pour leur santé, donc les règles de bon sens qui privilégiaient la qualité plutôt que le look ne s'arrêtaient pas à une forme irrégulière ou à quelques taches ou quelques rides sur la pelure de la pomme. Avec les malus, ils avaient un bonus. Les mirabelles. Alors voilà, en latin, « mirabelle » signifie « belle à voir ». Tout un programme. Avec 10 000 hectares de vergers, la Lorraine produit chaque année 40 000 tonnes de mirabelles. C'est quand même impressionnant hein, quand on pense à la taille du fruit. Voilà, alors la mirabelle de Nancy mûrit de mi-août à début septembre. Et c'est la partie qui est vers le soleil qui est un petit peu rougeoyante. Alors les utilisations, donc crues, en tarte, en confiture, en gelée, en conserve, chauffé sur une glace, c'est très bon aussi, ou en eau de vie, ou en liqueur. Pour 100 g de mirabelle, vous voyez qu'ils contiennent bien sûr de l'eau, mais aussi du calcium, du fer, de la vitamine C et de la vitamine A. Diapo suivante.
riche en sucre, effectivement, là, il faudra faire attention pour les personnes qui sont diabétiques. Les poires. Alors là aussi, il y a de nombreuses variétés de poires. Originaires de Chine au départ, voilà, elles sont sélectionnées là aussi depuis la plus haute antiquité. Alors la composition, les poires sont riches en fibres alimentaires, en antioxydants, en cuivre, en vitamine C, en vitamine K aussi. Elle contient aussi du sorbitol et du fructose qui peuvent occasionner les petits désagréments dont on parlait tout à l'heure. Alors, entre la poire et le fromage, alors ça, j'avais trouvé aussi cette anecdote, je dirais. C'est pourquoi ne pas renouer avec cette vieille habitude qui, du XIVe au XVIe siècle, consistait à ménager un intermède durant le repas pour rafraîchir le palais avant que l'on ne serve le fromage. C'est d'où vient cette phrase entre la poire et le fromage. Alors, c'est vrai aussi, je crois qu'aujourd'hui, on mange tous très vite. Hein, on avale. Et là, c'est vrai que le fait de faire cette petite pause permettait aussi à la digestion de se faire de manière plus harmonieuse. Alors l'utilisation, effectivement le fruit cru, les poires peuvent être séchées également, en conserve, en salade de fruits, en tarte, confiture, gelée, jus, en eau de vie, liqueur. Le jus, ben, je l'ai mis deux fois. Voilà. Les pêches. Alors là aussi, plusieurs variétés de pêches. Alors, quand consommer le fruit ? Alors, ce sont des fruits qui sont délicats, ça vous le savez. Hein, effectivement, il faut les cueillir avec délicatesse. Hein. Donc, ils sont cueillis mûrs, mais encore fermes, et gagnent à mûrir encore quelques d'être consommés. Là aussi, il est préférable de ne pas les peler, parce que la vitamine C se trouve surtout là aussi, dans la pelure. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dans la pelure qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant aussi. Donc là, bien sûr, essayons aussi d'avoir des fruits de qualité qu'on peut ne pas peler. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes qui se promènent avec leur bouteille d'eau. Hein. Alors c'est vrai, c'est important, il faut boire, c'est une très très bonne chose. Mais en fait, autrefois, les personnes prenaient beaucoup de fruits. Et par là aussi, ils avaient ce côté rafraîchissant qu'on pouvait avoir par la poire, par la pomme, là par la pêche également. Hein. Donc comment peut-on les consommer ? Là également cru, séché au four, pourquoi pas, en salade de fruits, en conserve, en gâteau, en confiture, gelée, compote. Alors c'est vrai que les compotes aussi étaient très souvent au menu. Vous savez, la compote de pomme, on peut la mettre en conserve aussi. Hein. Et puis les salades de fruits, c'était quand même très souvent le dessert du dimanche, c'était une salade de fruits. Très souvent. Hein. Et très souvent aussi, c'était quelque chose qui était fait en famille, et souvent au dernier moment, parce qu'ils avaient l'intelligence de ne pas la préparer avant que les invités n'arrivent, hein, eh bien c'était tout le monde qui donnait un coup de main. Hein. Les femmes se retrouvaient à la cuisine, pendant que les hommes discutaient encore un petit peu. Eh bien, c'était les femmes qui préparaient la salade de fruits. Hein. Et puis souvent, les hommes y rajoutaient encore un petit peu de schnapps, de kirsch dedans, hein, pour la conservation et puis pour tous les effets bénéfiques dont parlait Christian tout à l'heure. Les prunes, prunes ou quetch. Alors la prune séchée devient pruneau. Hein, donc ça, vous le connaissez, les vertus laxatives de ce fruit séché qui, lui, se conserve très bien. Donc là, pour l'usage culinaire, donc là, bon, vous connaissez ça, hein, je crois qu'on peut passer. Les usages fréquents, donc les prunes séchées étaient utilisées en cas de constipation ou de ralentissement du transit chez les personnes âgées. Hein, c'est-à-dire que les personnes âgées, souvent, quand on marche moins, quand on bouge moins, eh bien, on a tendance à être plus constipé. Et là, c'est vrai que de prendre ou du jus de prune ou de quetch ou des prunes séchées, eh bien, facilitait le transit. Les tartes aux prunes, aussi délicieuses par leur goût, apportaient leur effet laxatif, comme une certaine purge intestinale. Et bien sûr, la prune était également distillée. Alors, quelque chose que vous connaissez chez nous, c'est le béravec. Et puis, chez les Vosgiens, c'était le hogueï. Eh bien, c'était des gâteaux préparés avec des fruits secs. Donc là, je vous ai mis quelques fruits qu'on peut y mettre, mais souvent, les personnes prenaient ce qu'elles avaient. Donc, elles séchaient leurs fruits qu'elles avaient dans leur verger et préparaient ensuite le béravec plutôt chez nous, et puis le hogueï chez les Vosgiens, hein, en altitude. Donc c'est une très très bonne idée finalement d'avoir là une source de vitamines, d'oligo-éléments en période froide ou en cas de faiblesse. Hein.
bien nourrissantes, ces préparations sont les inspiratrices finalement des barres énergétiques. Hein, vous voyez, finalement, les personnes utilisaient ça, c'était une bonne idée, c'était compact, on coupait de fines tranches, et puis on avait cette chose-là qu'on pouvait finalement consommer ensuite pendant toute la période où il n'y avait pas de fruits frais dans le jardin. Voilà, donc nous voudrions lancer un appel pour la conservation du patrimoine local en plantes médicinales, mais j'irai aussi en fruits du verger, ça en fait partie. Hein, ce sont aussi des plantes médicinales, et je crois que la première médecine, c'est peut-être notre alimentation. Et je pense que les quelques exemples qu'on vous a donnés ce soir vous montrent à quel point les fruits, tous les fruits finalement, font partie de ce patrimoine, font partie de ces choses qui peuvent nous aider à garder une santé la meilleure possible. Et je crois qu'on a tout ça à disposition. Je pense que, comme le disait la première diapositive, finalement, c'est quelque chose qui donne un peu un goût d'éternité, puisque c'est quelque chose qui renaît chaque année. On n'a pas besoin de refaire quelque chose pour que ces fruits reviennent. Ils sont là, ils sont à disposition. Hein ? Je crois qu'aujourd'hui, le côté économique chez tout le monde est un petit peu difficile. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de quelque chose qui, finalement, une fois a été planté et donne des fruits ? Hein ? Il suffit de ramasser, finalement. C'est quand même pas compliqué. Hein, et au fond, on se complique la vie à tout faire, en ne faisant pas, d'ailleurs, hein, en n'utilisant pas ou en n'entretenant pas. Et finalement, on se rend, nous, dépendant de quelque chose de plus consommation, finalement, alors qu'on aurait tout ça à disposition. Et là, je crois que vraiment, je crois qu'il est temps qu'on prenne conscience de ça aussi. Finalement, la nature nous offre un tas de choses, j'ai envie de dire gratuitement, que ce soit au niveau des plantes médicinales ou autres. Nous, on le remarque bien, des personnes viennent nous demander dans notre pharmacie des plantes chinoises ou africaines, etc., alors qu'on a des trésors chez nous. Hein. On a le plantain, je veux dire, on sort là, je suis sûre qu'il y a du plantain, hein, j'ai pas regardé, mais je suis sûre qu'il y en a. Hein, y a un tas de plantes comme ça qu'on a à nos pieds. Ce sont des trésors et finalement, on va chercher ailleurs ce qu'on a tout près. Voilà, alors on a marqué notre site qui s'appelle plantagogo.fr. Donc si vous avez un ordinateur, vous pouvez aller surfer pour voir. Ben là, vous avez les différents points, donc accueil, rencontre. Donc là, on note ce qu'on fait. Donc la soirée de ce soir y est notée, par exemple. Des sorties botaniques, nous en organisons aussi en saison. Des recherches, contenu de l'ouvrage, donc ça c'est le livre que nous avons écrit, des contacts avec nos téléphones, courriels, quelques paroles de saison et des liens et à propos, donc les dernières nouvelles du monde des plantes et la biodiversité qui est aussi un sujet important. Quelqu'un disait en fait, la pollution de la planète c'est pas un problème, c'est 6 milliards de problèmes. Merci. Ah oui. Ah oui, pardon, j'oubliais les dernières diapos. Donc là, c'est juste un résumé du livre. Donc il présente chaque fois des éléments de reconnaissance, donc botanique des plantes avec photos, et puis des éléments linguistiques également, des légendes et des anecdotes donc sur les histoires des plantes. Alors il y a à la fois ce que les personnes nous ont dit des plantes, ça c'est ce que vous trouverez sous usage populaire, et il y a des informations sur les découvertes scientifiques avec notre commentaire. Et ensuite des choses concrètes avec la récolte, donc quand récolter la plante. Et ensuite l'utilisation avec les dosages. Et s'il y a lieu, les précautions d'emploi. Voilà, comme ça c'était complet. À peu près, oui. Répertoire aussi, oui, des principales affections. Plantes et formules par indication, ça c'est à la fin de l'ouvrage. Et puis aussi il y a tout un volet sur les croyances, sur tout ce qui est ethnologique. Et également, on nous parlait aussi, vous savez, quelquefois d'animaux qu'on utilisait, comme par exemple les vers de terre ou des limaces crues qu'on mangeait. Donc ça, on a quand même trouvé ça intéressant, donc on l'a mis aussi. C'était les plantes, mais aussi ce qui concernait le monde minéral et animal, on l'a noté également. Voilà. Et là, vous avez nos coordonnées, si vous voulez les noter. Si vous avez des questions, bien sûr, on va vous y répondre maintenant. Si vous en avez par la suite, on peut toujours vous répondre également. Et si par hasard vous avez chez vous des livres de recettes familiales, si vous voulez qu'on vous aide à les décrypter ou qu'on vous aide vraiment, on vous invite à nous contacter, on vous aidera avec plaisir. Voilà.
Donc s'il y a des questions, on est bien sûr prêt à y répondre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, on en a peut-être oublié d'autres encore, hein. Oui, nous on dit toujours 2 ans maximum. Hein. C'est que très souvent, si vous voulez, les personnes faisaient des réserves à peu près pour être sûr d'en avoir pour 1 an. Ils en prenaient un petit peu plus en se disant si jamais l'année prochaine il n'y en a pas assez, pour que comme ça j'en ai au moins sur 2 ans. Mais s'ils avaient une année où ils avaient une bonne récolte, eh bien ils jetaient peut-être ce qu'il y avait, puisque c'était quelque chose qu'il y avait à profusion. Hein. Mais en général, on dit 2 ans. Oui, pour les questions pratiques, quand il s'agit d'une plante aromatique, le serpolet par exemple, ou le thym, on n'a pas intérêt à le garder au-delà d'un an, parce que beaucoup d'essences disparaissent effectivement, s'envolent pour des feuilles telles que les feuilles de noyer, ça peut se conserver 2 ans. Au-delà, en général, c'est moins intéressant, parce que même le noyer qui ne renferme pas beaucoup d'essences, on a quand même un petit peu qui finissent par disparaître au bout de 2 ans, donc c'est pas l'idéal. Et quant à la préparation, on a fait un petit peu la différence entre 3 grands modes, la macération à froid, l'infusion, la digestion. Alors si je prends un exemple courant, celle de la mauve ou des mauves, qui sont utilisées soit comme laxatif léger, soit comme expectorant pour la toux, on peut les préparer par macération à froid, mais ce n'est pas le cas pour toutes les plantes, pour celle-ci en particulier, c'est-à-dire laisser en macération dans l'eau pendant une nuit, mettons 6 heures à 12 heures. On peut faire une infusion également, avec les fleurs en particulier, et on peut faire une décoction, mais la décoction est en général réservée à des parties plutôt dures, une écorce de chêne par exemple, ou des feuilles de noyer éventuellement, ou de noisetier. On peut faire une courte décoction et continuer par une infusion. La décoction, c'est en fait faire bouillir, c'est-à-dire laisser sur le feu, et l'infusion, c'est lorsqu'on retire, laisser un certain temps. Alors il y a une expérience que je recommande toujours, c'est de préparer tout simplement une infusion de menthe pendant 2 minutes, laisser infuser pendant 5 minutes, pendant un quart d'heure, et puis pendant 3 quarts d'heure. Et goûtez, vous verrez la différence énorme. Quand vous faites une infusion courte de menthe, vous avez surtout les huiles essentielles qui vont passer dans la tisane, qui auront un effet tout simplement digestif. Si par contre vous la laissez infuser très longtemps, plus d'une demi-heure, vous avez des principes amers qui ressortent et qui finissent par dominer les huiles essentielles, donc le côté odorant, et vous avez une action plus importante sur le foie que sur l'estomac à ce moment-là. Et ça c'est le cas pour beaucoup de plantes, suivant le mode de préparation, que vous faites une macération, que vous utilisez la poudre de plante, ou l'infusion, ou la décoction, vous aurez un résultat complètement différent. Un jour en conférence, il y a des personnes qui nous disaient « Oui, mais autrefois dans les potages ou dans la soupe, on rajoutait souvent des feuilles d'ortie. » Bon, ça c'est connu, et on rajoutait également de la prêle. Alors la prêle, c'est intéressant parce que quand on utilise la poudre de prêle ou la prêle entière, on a un effet reminéralisant qui vient des minéraux qui se trouvent dans la prêle, entre autres de la silice, très bonne pour l'ostéoporose, pour les os, etc. Si par contre on fait une simple infusion et qu'on filtre, qu'on retient dans le filtre la prêle, on a simplement un effet diurétique, mais on n'aura jamais un effet reminéralisant. Donc pour chaque plante, il y a vraiment un procédé, un mode opératoire différent, et c'est ce qui fait un peu toute la science et l'art de la connaissance des herbes ou des plantes médicinales. Ce qu'on sait simplement, c'est que plus la feuille, s'il s'agit d'un arbre fruitier, est amère ou a un goût astringent, plus elle a des chances d'avoir de propriétés médicinales. Alors c'est un peu de cette manière qu'il faudrait répondre. D'ailleurs, autrefois, les anciens le savaient bien, puisqu'ils goûtaient systématiquement et ils attribuaient un certain nombre de propriétés médicinales en fonction des qualités. Est-ce que la plante était considérée, on en parlait, comme chaude, comme froide, comme sèche, etc. Mais plus précisément, est-ce qu'elle était astringente? Est-ce qu'elle était amère? Et vous aviez des quantités de termes anciens, rien que pour décrire le terme amère. Ce qu'on retrouve encore dans des médecines anciennes, telles que la médecine ayurvédique, vous avez une trentaine ou une quarantaine de termes pour décrire l'amertume, pour décrire l'acidité. Et donc on se rapprochait beaucoup plus presque de la chimie de la plante déjà, par cette description des goûts, par les couleurs, par les odeurs, etc. Là aussi c'est quelque chose de tout à fait fascinant, ces fameuses signatures des plantes. Et en même temps, c'est tout à fait mystérieux parce qu'on a été en contact avec des sorciers, avec des chamans d'autres régions du monde.
et qui résonne toujours encore de cette manière-là. Alors ici, on le caricature un petit peu, on a déjà entendu, ça se dit même en faculté de pharmacie, en disant que, bon, on disait autrefois que la chélidoine, puisqu'elle a un suc jaune, est bonne pour la bile qui est jaune également. Ça, c'est la caricature. Mais en réalité, autrefois, ici, comme dans les pays africains ou ailleurs, on ne retenait pas une signature, mais 20, 30, 40, et en fonction de la cohérence de tout un ensemble de signes que les anciens voyaient, il finissait par dire « il y a des chances pour nous que la plante puisse avoir telle ou telle propriété ». Mais ça, c'est déjà un travail d'ethnologie ou d'anthropologie, c'est une autre de mes passions, mais c'est vraiment un monde tout à fait intéressant, parce qu'on a tellement l'habitude depuis des décennies de raisonner de manière mathématique, en tenant compte de causalité qui va produire un effet, donc un raisonnement déductif, on déduit quelque chose qu'on oublie le raisonnement analogique, qui était pourtant aussi important autrefois. Mais bon, ça pose de telles questions philosophiques et de remise en cause. Alors moi, je voudrais préciser une chose aussi qui est très importante, c'est en fait la nature du sol aussi. Hein. Et ça, c'est vrai que finalement, très souvent, vous avez des plantes qui poussent parce qu'il y a tel ou tel sol. Eh bien, je dirais que la force aussi que va avoir l'arbre et donc le fruit qu'il va porter sera aussi en fonction du sol. Et ça, je crois que c'est une chose importante. Il y a la plante sauvage, mais il y a aussi la plante, comment elle a poussé. Hein. Une fois, j'avais fait une expérience, justement, quand on était dans les Vosges. Je me dis, c'est vrai, on se promène toujours quand il fait beau. Eh bien, un soir, je suis sortie par tant d'orage, hein, donc j'étais presque pliée parce qu'il y avait beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Et il y avait finalement des plantes, c'était des violettes toutes petites, je veux dire, elles ne pouvaient pas aller se mettre à l'abri. Hein. Et le lendemain, je suis retournée au même endroit, c'était en été, donc il faisait très très chaud. Mais finalement, ces plantes, mais les arbres dans les vergers, c'est la même chose, elles peuvent être à un moment donné vraiment sous un soleil très très fort. Et puis ensuite, sous une pluie très forte. Hein. Je crois que c'est un petit peu comme les personnes, finalement. Si vous avez une personne qui reste chez elle, dans sa maison, et puis qu'on lui apporte tout sur un plateau, eh bien, elle ne va pas développer les mêmes forces que quelqu'un, ma foi, qui va s'affronter un petit peu à la vie, avec les coups durs qu'il peut y avoir, etc. Et je pense que les fruits, finalement, vous redonnent aussi toutes ces forces qu'elles ont dû développer pour se maintenir. Et si vous voulez, nous, ce qui nous frappait aussi, c'est que les personnes, les anciens, nous disait aussi que si on a une maladie, ben c'est que dans son entourage, il y a la plante qu'il faut. Et je pense que les fruits, c'est peut-être la même chose. Chez les adultes également, oui, on a constaté que la pectine complexe d'une certaine manière, c'est-à-dire entoure, si vous voulez, des molécules de césium ou de strontium radioactif et permettent de les éliminer. Ce qui fait qu'en l'espace d'un an, on a pu constater pour de nombreux enfants de Tchernobyl qu'on arrivait à éliminer pratiquement un tiers de la radioactivité. Donc au bout de quelques années, on peut supposer qu'on arrivera à éliminer la quasi-totalité de la radioactivité en donnant des doses importantes de pectine. Alors c'est intéressant parce que c'est un remède qui n'est vraiment pas cher et qui permet de traiter. Bon, mais là, ça pose de nombreux autres... Comment ? Oui. Mais ça pose de nombreux autres problèmes, hein, parce qu'on sait que dans certaines régions, même en Russie ou en Biélorussie ou en Ukraine, qui ont été contaminées, il faudrait commencer tout simplement par nettoyer le sol, hein, enlever la partie du sol la plus superficielle, la mettre ailleurs et remplacer par une terre non radioactive. Hein. Il faudrait commencer par ça, et ce serait rendre service évidemment aux arbres fruitiers de la région également. C'est une question d'hygiène, de culture tout simplement. Hein. Mais ça n'a pas été fait tout simplement parce que ça permet de toucher des subventions de l'État russe. Un contexte. Oui, le plantain aussi est un exemple. On peut l'utiliser oui, sec ou frais. C'est-à-dire que si vous l'utilisez comme cicatrisant, comme anti-inflammatoire, si vous blessez par exemple dans la campagne, on recommandait autrefois de mâchonner des feuilles de plantain fraîches. Et il se trouve que quand on les mâchonne fraîches, vous avez un principe qui est l'ocubozide, un principe chimique qui a besoin d'eau pour réagir et devenir médicinal. Et quand cette réaction chimique s'est faite, en présence d'eau, vous avez un effet hémostatique, donc qui arrête le sang, vous avez un effet anti-inflammatoire et vous avez un effet cicatrisant. Donc les trois principales propriétés dont on a besoin pour traiter une plaie ouverte. Donc là, on a ces propriétés avec la plante fraîche et on ne les aura pas avec la plante sèche, au contraire. Par contre, le plantain sec aura d'autres propriétés antitussives. On peut en préparer un sirop, d'ailleurs on le fait encore pour nos propres enfants, qui est bon pour la toux. On la met sur la plaie, tout à fait. Non, non, au contraire, la salive a un effet antibactérien elle-même, donc elle ajoute encore un petit peu à ce pouvoir antiseptique.
Mais d'abord, on peut faire une macération simple, faire macérer par exemple une gousse d'ail pendant une nuit de façon à adoucir le goût, à avoir quand même un effet hypotenseur ou antiseptique. Hein, y a beaucoup de gens qui faisaient ça, dans l'eau tout simplement. Alors quand on le fait dans l'eau, vous avez simplement des principes hydrosolubles qui vont passer, c'est-à-dire tout ce qui est soluble dans l'eau. Si vous voulez avoir un peu plus de propriétés médicinales, il faut utiliser des solvants tels que l'alcool, qui laissent passer à la fois des substances solubles dans l'eau et solubles dans l'alcool. Donc c'est déjà plus riche. Et puis ensuite, vous avez une préparation que nous aimons beaucoup, nous, en pharmacie. On en fait un certain nombre. C'est ce qu'on appelle les extraits fluides, où on travaille, c'est avec un nom scientifique, ce qu'on appelle des gradients d'alcool. C'est-à-dire on commence par travailler en extrayant les différents principes avec de l'eau, ensuite avec de l'alcool de plus en plus fort, jusqu'à aller à de l'alcool à 80 ou 90 degrés. Moyennant quoi, on a pratiquement tout le spectre de ce qu'on peut trouver dans la plante médicinale qui est extrait. Donc on a vraiment la plante totale. Alors si vous achetez en pharmacie une teinture mère d'arnica par exemple, la teinture mère d'arnica est faite en gros avec un équivalent de 10% de plantes sèches. C'est calculé tout ça. En réalité, on part à partir de plantes fraîches, donc on prendra peut-être 70% de plantes fraîches, mais vu la quantité d'eau qu'elle contient, en équivalent, ça fait 10% de plantes sèches. Si vous faites un extrait fluide, vous avez 100% de concentration, donc 10 fois plus. C'est-à-dire que pour obtenir 1 litre d'extrait fluide, vous partez d'un kilo de plantes fraîches. Donc là, c'est une concentration qui est énorme. Et en plus, de plantes sèches, pardon. Et en plus, vous avez vraiment tous ces degrés de concentration différents. Donc là, c'est vraiment l'idéal. C'est une très ancienne préparation qui existait déjà au Moyen-Âge, qui a été retravaillée maintenant, qui est devenue très efficace. Ensuite, vous avez les macérations dans l'huile. Là, c'est pour retirer encore d'autres principes qui sont solubles uniquement dans les huiles. Alors parfois, on fait des mélanges avec de l'huile et un tout petit peu d'alcool, de façon à avoir encore un petit complément. Là aussi, c'est tout un art, et puis qui, bien sûr, est fonction des différentes plantes et de ce qu'on veut sortir de ces plantes, qui fabrique une préparation anticancéreuse. Disons que le gui non fermenté était connu autrefois à l'époque druidique comme tonique. Et dans beaucoup de régions, j'ai encore vu récemment une Serbe qui me racontait qu'en Serbie, on apprend aux jeunes enfants à manger les boules de gui de façon à écraser la baie avec la langue, de façon à ne pas écraser la graine avec les dents, donc pour éviter l'effet toxique. Quand les graines sont rejetées entièrement, vous n'avez pas d'effet toxique. Bien sûr, je ne vous le recommanderais pas parce qu'un accident est quand même vite arrivé. Mais ça se pratiquait beaucoup, même ici en Alsace autrefois, ce genre de choses. Et le gui a donc été considéré comme ayant différentes propriétés, toniques, etc., mais surtout hypotensif, donc diminuant la tension artérielle. Ça, c'est connu, on le retrouve dans des ouvrages traitant de plantes médicinales telles que des Kräuterbücher depuis le 15e siècle. Et puis, comme la plante était considérée un petit peu partout comme ayant des effets stimulants, on s'est demandé si on pouvait l'utiliser contre le cancer. Et là, des préparations fermentées ont été utilisées. Là aussi, il y en a d'autres qui ont été faites dans des siècles passés déjà. Maintenant, ça a été un petit peu rationalisé. Alors, il existe différentes préparations, depuis l'Europe jusqu'à la Russie, qui partent en fait de mélanges de gui d'été et de gui d'hiver, donc en clair de mélanges de suçoir et de feuilles, et de gui. On mélange le sucre que l'on obtient avec les deux. On fait fermenter l'ensemble, séparément ou ensemble, et on obtient, disons que le fait de fermenter permet de découper des dérivés protéiques en petits morceaux qui sont des acides aminés ou des polypeptides. Et ces petites substances, donc découpées en morceaux par la fermentation, ont une activité d'une part toxique pour les cellules cancéreuses, ce qui fait un anticancéreux, mais en même temps, et c'est là que c'est beaucoup plus intéressant, immunostimulant. Parce que c'est le problème de beaucoup de traitements anticancéreux actuellement, c'est qu'on détruit totalement le système immunitaire, donc on se retrouve complètement à plat, moralement aussi épuisé, on n'a plus aucune résistance aux infections, et on ne pense pas toujours à remonter le système immunitaire. Alors ça, c'est une préparation qui le fait. Bon, beaucoup de chercheurs ne recommandent pas son utilisation seule, ça c'est à chaque médecin de décider ce qu'il veut en faire, mais bon, il existe de nombreuses préparations en Europe avec ses propriétés, mais disons que le gui non fermenté n'a absolument pas les mêmes propriétés que le gui fermenté. Alors aujourd'hui, le gui est un petit peu sur la sellette parce que
Il était même question à un moment donné d'une interdiction de son usage en populaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir acheter en pharmacie, comme on le fait actuellement, des feuilles de gui séchées pour passer à des préparations contrôlées, comme ça s'est fait pour la digitale, où on ne peut plus acheter actuellement de feuilles de digitale, mais uniquement des extraits dosés. Donc on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir à propos du gui. Mais à l'heure actuelle, on peut toujours utiliser encore, et ça se fait, des feuilles de gui, des feuilles d'olivier pour traiter la tension artérielle, mais en étant prudent. Alors d'abord, vous parlez de cette fameuse croyance qui consiste à dire que le gui détruit en fait l'arbre hôte. Les botanistes ont montré que ça n'est pas exactement le cas. Plus exactement, c'est un arbre qui est malade ou qui n'est plus en forme suffisante qui attire le gui à un moment donné. De la même manière que nous, lorsque nous attrapons une maladie microbienne, il faut voir quelle est la cause. Est-ce que c'est le microbe lui-même ou est-ce que c'est l'organisme qui est déjà fatigué à l'origine ? Au contraire, il semble que le gui semble apporter un petit surplus de vitalité à un arbre qui est déjà un petit peu malade. Alors évidemment, après, il peut avoir tendance à l'étouffer, ça c'est un autre problème s'il se développe de manière trop intensive. Alors quant aux variétés de gui, dans la tradition, les guides récoltaient le gui de chêne qui est effectivement rare. Beaucoup de laboratoires recherchent effectivement du gui de chêne de préférence, mais à ma connaissance, aucune étude n'a jamais pu montrer la réalité de ces choses-là. Elle se base là encore sur cette théorie des signatures à laquelle je faisais allusion. Ça n'exclut pas qu'il y ait quelque chose de vrai, mais pour l'instant, on n'a pas pu le prouver. Disons que ça nécessiterait des études extrêmement fines pour vérifier, avec des dosages très fins, pour vérifier si par exemple la préfermentation, parce que c'est surtout au niveau du cancer que ça pourrait être intéressant, si la quantité de lectine ou la composition exacte des lectines, donc ces fameuses substances anticancéreuses, est sensiblement différente d'un gui de chêne, un gui de pommier, un gui d'aubépine, etc. Alors, il y a actuellement 5 à 6 types de gui qui sont utilisés, parce qu'on a constaté qu'ils étaient efficaces, mais sans étudier suffisamment la composition diverse. Bien, bah écoutez, nous vous remercions pour votre attention, et puis vous souhaitons de cueillir encore beaucoup de fruits dans nos vergers.